Bien. Bonjour, monsieur le procureur général, monsieur Samin Monti. Nous allons procéder donc, à cette audition dans le cadre de la mission d'information sur la question de la réorganisation de la police nationale, de sa départementalisation et plus précisément le sort réservé à la police judiciaire et aux missions de police judiciaire. Ma co-rapporteur Marie Guévenou est en visio et suit les travaux avec nous. On va vous laisser d'abord faire une petite prise de parole à propos liminaire avant d'échanger ensemble. On a souhaité vous auditionner parce que vous avez eu une expression publique sur cette réforme de la police nationale, sur cette départementalisation. Vous avez même déclaré que cette organisation était 4 fois mauvaise. Et donc ça nous a évidemment interpellés du fait de votre position de procureur général près de la cour de Versailles. Et donc on aimerait pouvoir vous entendre pour que vous exposiez votre analyse de cette réforme et notamment à l'aune des déclarations plus récentes qui ont été faites par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, de ce qui a pu être modifié, ajouté dans l'annexe de la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur comme garantie, notamment le respect de l'article 12 et 12-1 du code de procédure pénale. Enfin, voilà, toutes ces évolutions qui ont été apportées, en tout cas ces annonces publiques, est-ce que pour vous ça change l'analyse que vous aviez de cette réforme et dans quel sens? Je ne vais pas être plus long puisque l'intérêt c'est de vous entendre et je vous cède tout de suite la parole. Voilà, parfait. Je vous remercie monsieur le député, madame la députée de m'avoir invité à m'exprimer devant vous. Je le fais en mon nom personnel et au nom de la Conférence nationale des procureurs généraux qui m'a aussi mandaté à cette fin. Et ce que je veux dire, si vous voulez, c'est les propos que j'ai pu tenir en audience de rentrée et qui permettent en audience toujours une liberté de parole propre au ministère public. Je n'oublie jamais mon statut. Ça résulte à la fois de l'examen des principes et des modalités de cette réforme et aussi de l'appartenance qui est la mienne à un groupe de liaison mis en place à la direction des affaires criminelles et des grâces, par la direction des affaires criminelles et des grâces à la fin de l'année 2021 et qui s'est réuni par 3 fois au cours de l'année 2022 et qui a notamment entendu en juin 2022 la nouvelle structure de projet après le départ de Frédéric Dupuche, qui a conduit à quelques atermoiements, semble-t-il, dans la gestation de cette réforme. Donc, si vous voulez, c'est parce que ce que je tiens à souligner, c'est que cette appartenance à ce groupe de liaison, et moi, je me base, si vous voulez, sur les éléments qui ont été communiqués dans le cadre des travaux de ce groupe. Ça a résulté pour moi de rapports, hein, que je tiens d'ailleurs à la disposition de votre mission, que j'ai adressé dès novembre 2021 à la direction des affaires criminelles et des grâces pour marquer quelle était la surprise et les craintes liées à cette réforme. Bon, moi, si vous voulez, pour être très simple, c'est vrai que les propos que j'ai tenus à l'audience, c'est précisément des propos qui ont pu être qualifiés d'anaphoriques, mais pour marquer effectivement les choses. Ce que je relève, si vous voulez, c'est que d'abord, cette réforme, elle procède du livre blanc sur la sécurité intérieure. C'est les pages 173 et suivantes de ce livre blanc sont intéressantes parce que c'est clairement l'objectif de la réforme, c'est accroître la maîtrise de l'autorité préfectorale sur la police nationale. C'est l'objectif en toutes lettres. Ensuite, si vous voulez, donc c'est une première interrogation parce que derrière, ça vient quand on parle police nationale et qu'on parle police judiciaire, c'est historiquement un double rattachement. C'est un rattachement à la fois au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, sur deux choses qui sont normalement très strictement définies. Il y a la police administrative, historiquement, en gros la prévention, et la police judiciaire. C'est la répression. Et aujourd'hui, on peut d'ailleurs se demander si ces notions ne sont pas battues en brèche par la notion de continuum de sécurité, hein, qui derrière mêle un peu les gens. Et d'ailleurs, on peut même se demander si
la finalité du droit pénal, est-ce qu'elle n'est pas en train de basculer d'une finalité répressive à une finalité préventive? Bref, l'objectif. L'objectif, ensuite, si vous voulez, la gestation. La gestation d'une... moi, si vous voulez, si on, je crois toujours que les mots ont un sens. Et qu'une expérimentation, pour moi, c'est une expérimentation qui suppose que ceux qui sont véritablement partie prenante à la chose, les deux ministères intéressés, soient associés à la gestation véritablement de cette réforme. Et que derrière, au-delà de cette association, eh bien que ceux qu'on en tire à tête reposée un bilan pour décider ou pas de son extension. Janvier 2021, c'est, vous le savez comme moi, trois départements. Et de mon point de vue, si vous voulez, il n'y a pas eu véritablement d'association du ministère de la Justice à cet égard. Ensuite, si vous voulez, c'est cinq autres départements, et vous les connaissez aussi bien que moi. Et pour une annonce, pour des annonces, dès en réalité le courant du premier semestre 2021 et septembre 2021, au terme du Beauvau de la sécurité, l'annonce de la généralisation de cette réforme sans véritablement expérimentation. Donc, si vous voulez, c'est une surprise du point de vue de cette gestation. Et si le propos se voulait anaphorique, il se voulait pour autant réel et fondé. Et c'est vrai que du point de vue de ces modalités, et je vais y revenir en ce qui concerne, il n'est pas de mon propos de dénier la réalité d'une crise, d'une certaine police judiciaire. Mais en ce qui concerne la police judiciaire au sens large, c'est-à-dire les actes de police judiciaire, au-delà de la police judiciaire au sens strict, c'est-à-dire les héritiers des brigades mobiles de 1907, eh bien, les modalités, si vous voulez, de cette... en ce qui concerne... du coup, j'ai perdu le fil de mon propos. Donc, une réforme qui se fait pour l'essentiel dans ses modalités à moyen constant, à moyen d'OPJ constant, d'enquêteurs constants. Or, le véritable sujet, je vais y revenir là-dessus, c'est précisément la discordance entre ce qui peut être la police en tenue et ce qui est la police judiciaire et les moyens de la police judiciaire, et notamment certains services de police judiciaire. Donc, si vous voulez, une réforme qui se fait très globalement. Et c'est ce qu'a dit le chef de projet lorsqu'il est venu devant le groupe de travail auquel j'appartiens en juin dernier, en disant cette réforme, pour l'essentiel, elle se fait à moyen constant. Je passe, si vous voulez, le fait d'étendre la qualité d'OPJ, vous avez vu à travers la LOFPMI, etc. Mais ça, ce n'est pas en nombre. Et ce qui est annoncé, ce que j'ai pu lire, c'est que si effectif supplémentaire il y a, il concernerait la tenue et la voie publique et pas la problématique de la police judiciaire. Alors, et une réforme, si vous voulez, qui, dans ses perspectives, elle ne laisse pas d'inquiéter, mais ça, et pour cela, il faut aborder, si vous voulez, l'organisation territoriale qui est projetée, même si, si vous voulez, au moment où... Moi, j'ai lu ce qui des annonces, mais je m'en tiens, si vous voulez, à ce qui a été communiqué au groupe de travail auquel j'appartiens. En dernier lieu, un certain nombre de textes à la direction des affaires criminelles et des grâces, qui sont très flous sur l'organisation qui est projetée, et sur le fait que, si vous voulez, le principe de la départementalisation n'est pas en soi remis en cause. Donc, si vous voulez, c'est ce niveau départemental, je vais y revenir ensuite directement ou dans le cadre de vos questions, eh bien, qui, à un moment donné, ne peut pas répondre aujourd'hui aux besoins qui sont ceux de formes de délinquance plus structurées, plus organisées, moins visibles et qui se déroulent très largement à un niveau départemental. J'en reviens et je suis un peu le canevas que vous m'avez... Je pourrais d'ailleurs, à terme, vous renvoyer ce document de questionnaire avec un certain nombre d'éléments que j'ai d'ores et déjà pu développer, mais il n'est pas de mon propos de dire qu'il n'y a pas une crise de la police judiciaire. Si vous voulez, il y a un constat. Le constat, c'est celui
d'un déficit. Et ça, c'est un constat, si vous voulez, que moi, je partage par un échange de correspondance que j'ai avec la direction des affaires criminelles et des grâces, le directeur des affaires criminelles et des grâces, en décembre dernier. Je lui écris en novembre, il me répond le 20 décembre 2021, il me dit « Oui, vous avez raison, il y a un déficit quantitatif d'enquêteurs et qualitatif d'enquêteurs. Oui, vous avez raison, il y a un accroissement corrélatif des stocks. Oui, vous avez raison, il y a une dégradation constante de la qualité des enquêtes. » C'est vrai. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose que je partage avec le Premier président, parce que je ne suis pas seul à m'exprimer. Il y a le Premier président de Versailles, Jean-François Bénel, qui, au-delà de son prédécesseur, qui partageait les mêmes préoccupations, s'exprime avec moi. Ce n'est pas que le procureur général. Parce que si on parle police judiciaire, ce n'est pas que le ministère public. C'est aussi le siège, les juges d'instruction, et qui dirigent et supervisent les enquêtes les plus importantes. Donc, un constat, mais un constat qui est différencié. Un constat, si vous voulez, tous les services enquêteurs ne sont pas concernés. Pour l'essentiel, la gendarmerie, ça va. Il y a des tensions en police judiciaire. Moi, si vous voulez, je ne peux parler véritablement bien que de ce que je connais. Ce que je connais, c'est... mais c'est daté maintenant. La police judiciaire marseillaise, la police judiciaire lyonnaise, mais la police judiciaire versaillaise, je la connais. Je la connais et si vous voulez, quand j'ai des contacts avec le directeur régional de la police judiciaire et qui me dit qu'en moyenne, il est obligé de recourir à des heures supplémentaires à raison de un mois par enquêteur et par an, je dis que là, ça signe immanquablement des tensions. Ensuite, si vous voulez, les sujets, ils sont où ? Les sujets, ils sont sur les services déconcentrés de la direction centrale de la sécurité publique. Ils sont d'ailleurs peut-être moins sur les sûretés départementales, encore que sur les circonscriptions de sécurité publique, les commissariats. Parce que c'est dans ces zones-là, et dans les zones urbaines les plus exposées à la délinquance, qu'on trouve les situations les plus dégradées et qu'on trouve les stocks de procédures en cours dont on reparlera sans doute au cours de cette audition et le cas échéant en réponse à vos questions. Il faut bien voir que la situation de ces services, elle est aggravée par la pression actuelle qui est liée au contentieux des violences intrafamiliales et des violences conjugales. Moi, si vous voulez, je n'aime pas les grands messes. Je n'aime pas les grands messes et les grandes réunions de police judiciaire où les procureurs généraux et les procureurs de la République se regardent en chien de faïence avec les responsables de services enquêteurs. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est d'aller voir responsables de services enquêteurs. J'essaye d'y aller une fois par an. Et c'est ce que j'ai fait récemment avec le directeur départemental de la sécurité publique du Val-d'Oise. Il parle de cannibalisation. Cannibalisation par la hausse de ce contentieux et la pression de ce contentieux sur les services enquêteurs. Et on a donc, si vous voulez, une crise de ces services enquêteurs qui relèvent de la direction centrale de la sécurité publique, une crise qui, de mon point de vue, est devant nous, parce qu'au-delà des violences conjugales, c'est les violences intrafamiliales, et c'est en perspective une circulaire qu'on nous annonce sur les violences contre les mineurs, ou de manière générale, les atteintes volontaires aux personnes. Il y a une crise. Je ne veux pas dire que cette crise, elle ne concerne pas d'autres services. On pourrait parler de la délinquance économique et financière, qui, c'est vrai, est très largement, et depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, sauf cas très particuliers, émergence du SNDJ, si vous voulez, de services spécialisés, PNF, mais globalement, on a vu complètement se contracter les services spécialisés, et notamment des PJ. Donc, il y a le constat, si vous voulez, le constat d'une crise réelle, mais d'une crise différenciée et d'une crise, si vous voulez, qui concerne au premier chef les services déconcentrés de la direction centrale de la sécurité publique. D'ailleurs, quand on reprend les écrits qui ont pu être adressés à la direction des affaires criminelles et des grâces et qui nous ont été rétrocédés à nous, les procureurs généraux de Frédéric Dvaux, il vous dit quoi ? Il vous parle de stock. Il vous parle de la problématique des stocks. Et ça, si vous voulez, au-delà de l'exigence du livre blanc de la sécurité intérieure et de la maîtrise de l'autorité préfectorale, c'est la problématique des stocks et de leur apurement, entre guillemets, ou de leur maîtrise, qui est un des enjeux principaux assignés à cette réforme. Alors, il y a un déficit d'attractivité, c'est sûr, de la fonction de police judiciaire. Là encore, si vous voulez, ce déficit, il concerne les services déconcentrés de la direction centrale de la sécurité publique et services actuels au plan principal. Pourquoi ? Parce que vous avez
un déficit, je l'ai déjà dit, manque d'enquêteurs en quantité et en qualité. Moi, si vous voulez, quand j'ai commencé ce métier, les brigadiers de police, ce n'étaient pas des interlocuteurs du parquet. On avait affaire à des inspecteurs divisionnaires devenus des commandants de police, etc. Aujourd'hui, et ce n'est pas une critique, on a des enquêteurs qui peuvent être, qui peuvent être de bon niveau, mais pas que. Donc il y a un manque. Le fondement essentiel, si vous voulez, c'est véritablement le manque d'enquêteurs. Et dans un contexte aussi de réforme de l'encadrement. Réforme 2004 de l'encadrement des corps et carrières. Plus de commissaires impliqués dans les procédures des directions centrales de la sécurité publique. Idem pour les commandants de police. De plus en plus, et je schématise pour simplement vous dire, il y a un arbre, je laisse tomber les brindilles, concentrons-nous sur le tronc. La réalité, c'est des enquêteurs seuls, livrés à eux-mêmes, sans encadrement. Alors, il y a évidemment, des réformes de procédures pénales qui sont récurrentes. Mais nous sommes des orfèvres au ministère de la Justice. Parce qu'en termes de réformes sans étude d'impact véritable, ces réformes se posent quand même un petit peu là. Moi, je préfère, si vous voulez, je me considère devant vous comme si j'étais à l'audience. J'ai ma liberté de parole et ma liberté intellectuelle et j'entends en faire état. On a des réformes multiples. Qui peuvent tenir à des exigences internationales, européennes, qui peuvent tenir aussi à des réactions médiatico-politiques et qui conduisent à un bouleversement en permanence des règles et des dispositifs. Et une complexité, si vous voulez, qui est une complexité qui, de toute façon, la simplification est un leurre. La simplification de la procédure pénale est un leurre, véritablement. Est-ce que je dois vous citer les derniers arrêts du 12 juillet 2022 de la Chambre criminelle sur les données de connexion ? À un moment donné, ben ça, c'est l'application mécanique, si vous voulez, d'un certain nombre de dispositifs qu'on a adoptés et qu'il s'agit maintenant de mettre en place. Donc, un déficit d'attractivité qui s'explique aussi par cette complexité, évidemment, qui s'explique par des enquêteurs de plus en plus seuls et peu encadrés, et qui s'explique aussi par une revalorisation importante de la police de voie publique, de la police en tenue. Vous connaissez comme moi les problématiques de cycle de travail, et notamment depuis septembre 2022. C'est un véritable sujet, parce que quand la ressource utile, c'est une ressource de gardien de la paix, pour l'essentiel, de gardiens de la paix qui, le cas échéant, font leur temps d'OPJ pendant leur scolarité. C'est un peu l'état d'esprit de la LOPMI. Eh bien, qu'à un moment donné, quand vous avez 135 vacations de 12 heures avec un week-end sur deux, un mercredi sur deux, ce dispositif applicable à la tenue, il est beaucoup plus attractif que le cycle hebdomadaire classique, qui est celui de 5 jours plus des permanences et qui s'applique à la police judiciaire. Donc ça, je pense qu'il y a un véritable sujet aujourd'hui. Et puis, si vous voulez, il faut bien voir qu'au-delà de la complexité légale, vous avez aujourd'hui une complexité technique des enquêtes qui s'est considérablement accrue. Moi, si vous voulez, ça m'arrive encore d'aller... et fort heureusement, ne serait-ce que pour ne pas être, quelqu'un qui ne fait que de l'administratif, mais je vais encore aux assises régulièrement, je vais à l'audience correctionnelle à la cour, et je vois que les dossiers, si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a plus de dossiers sans diligence technique. Je veux dire, il n'y a plus de dossiers sans consultation vidéo, il n'y a plus de dossiers sans examen de smartphone. Je veux dire, même pour des procédures qui sont des procédures basiques. Actuellement, j'ai une QPC qui concerne les délits de diffamation et qui critique le fait, en matière de diffamation, de ne pas pouvoir avoir accès aux données de connexion. Et alors que c'est l'application stricte de la jurisprudence du 12 juillet. Donc, si vous voulez, des enquêtes qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus techniques, en procédure et en diligence probatoire. Donc voilà, si vous voulez, ce constat. Alors, moi, si vous voulez, le constat aujourd'hui, et pour moi, je veux surtout parler des services qui sont au cœur de la difficulté, c'est les services déconcentrés de la sécurité publique. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez affaire à un enquêteur seul qui est confronté à un magistrat seul et qui lui parle par téléphone.
Voilà. Mais ça, quand vous voulez faire des procédures de mauvaise qualité, vous procédez comme ça. Ça veut dire que le parquet voit son rôle dévoyé. Moi, je suis assez sidéré par les jeunes magistrats que je reçois, si vous voulez. Ils me disent, ah, c'est bien, j'aime diriger les enquêtes. Ce n'est pas leur métier. Ce n'est pas leur job. Le job du ministère public, c'est de contrôler l'enquête, de contrôler son exhaustivité, de contrôler sa loyauté, de contrôler son impartialité. Et à condition, évidemment, qu'on ait un échelon collectif dans le traitement d'enquêtes de plus en plus complexes juridiquement et complexes techniquement, au sein du service enquêteur, ce qui n'est pas globalement le cas dans le cadre de ces services. Voilà. Moi, si vous voulez, pour le constat, si vous voulez, c'est celui-là. Alors, l'expérimentation, et puis après, je veux laisser la place à vos questions, et je ne veux pas monopoliser la parole ex cathedra. L'expérimentation, si vous voulez, elle a eu lieu dans 8 départements. Je vous ai dit que, de mon point de vue, que je regrettais qu'on n'ait pas fait un véritable bilan, mais quand je vois ce qui s'est passé pour les cours criminelles départementales, je me dis que finalement, quand on parle d'expérimentation, souvent ça peut être une façon d'aller vite à ce qu'on s'est assigné au départ, mais je ferme la parenthèse. Et si vous voulez, l'objectif de la réforme, c'est simple, c'est quoi? C'est, allez, on se ramasse, c'est les stocks dans les services enquêteurs déconcentrés qui relèvent la direction centrale de la sécurité publique. Le constat qu'on fait, et je mets à part l'outre-mer, parce qu'on ne peut pas inférer de l'outre-mer à ce qui est, si vous voulez, la réforme en métropole. Mais on a de toute façon des situations qui sont contrastées, le cas échéant, mais surtout, ça n'agit pas sur les stocks. Ça n'agit pas sur les stocks, et ça, si vous voulez, c'est quand même la problématique principale. L'échelon départemental reste, si vous voulez, l'échelon de référence. Et ça, qu'on parle de services interdépartementaux, de niveau 3, etc., l'autorité décisionnelle, c'est le département. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez mixer sous le pilotage direct d'une même autorité des services qui ont des fonctionnements très dégradés, services actuels déconcentrés de la sécurité publique, et des services qui, globalement, s'en sortent correctement aujourd'hui, et c'est les 5000 enquêteurs de la police judiciaire pour ce qui relève des services déconcentrés de la direction centrale de la police judiciaire. Moi, si vous voulez, et une autorité qui, en plus, a des missions qui sont différentes. Il a des missions... Alors, investigation, on ne parle plus d'investigation, on parle de police judiciaire. C'est revenu, il y a de la sémantique, si vous voulez, qui, de mon point de vue, a plus peut-être une approche, cette évolution communicationnelle qu'autre chose, mais si vous voulez, filière... Donc, mission police judiciaire et mission sécurité et paix publique. Moi, si vous voulez, si je définis, j'ai 36 ans derrière moi de parcours professionnel. Qu'est-ce que j'ai été en étant procureur de la République? J'ai été avant tout un animateur en milieu dégradé. Voilà. Ça veut dire qu'on relevait de ma responsabilité à Lyon, ailleurs, des services qui avaient des fonctionnements dégradés et des faits de service qui les témoignent. Quand on est une autorité confrontée à ça, dans la durée, elle fait quoi? Quand, du point de vue de l'allocation des moyens, et des moyens qui, par définition, sont constants, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on s'occupe. La mauvaise monnaie, entre guillemets, chasse toujours la bonne. Et on va se dédier, si vous voulez, à l'affectation des moyens, et c'est légitime, à ces services actuels qui sont les services déconcentrés de la direction centrale de la sécurité publique, parce que, encore une fois, si vous voulez, la réforme se fait à moyens constants. Et du point de vue, si vous voulez, de l'étage de la délinquance, il y a la question des offices. La question des offices, si vous voulez, j'y reviens pas. Il y a des niveaux départementaux ou infradépartementaux. Moi, je veux juste vous rétrocéder une étude qui a été faite et dont s'est ouvert auprès de moi le directeur régional de la police judiciaire de Versailles, qui a étudié sur la période de janvier 2021 à juin 2022, qui a étudié les affaires dont sa direction s'est saisie. 63% des affaires avaient un niveau supradépartemental. Et il y en avait un niveau très important, évidemment, qui
concerner l'Île-de-France dans sa globalité. Ça veut dire que si vous voulez, quelqu'un qui est responsable d'une structure départementale, il va s'occuper de ses services de manière qui ont un fonctionnement dégradé. Il va le faire à l'aune des missions qui sont les siennes. Et si vous voulez, je pourrais vous parler de pourquoi je dis que le DDPN sera plus proche du préfet que du procureur de la République. Parce que si vous voulez, je peux m'inspirer véritablement de ce que j'ai vécu avec, avec l'évolution de la direction départementale de la sécurité publique et les préfets. Et qu'à un moment donné, ce sont les exigences de la paix et de la sécurité publique qui, à un moment donné, vont l'emporter. Les expérimentations qui ont eu lieu, je passe par exemple dans les Pyrénées-Orientales, eh bien on a vu au cours de certains étés, on a vu des effectifs de police judiciaire mobilisés pour des effectifs de maintien de l'ordre public. Et ça, si vous voulez, c'est légitime. Quand vous avez à un moment donné plusieurs services, eh bien vous vous occupez des services qui sont en exigence d'urgence ou en exigence de dégradation. Donc les garanties telles que, si vous voulez, en tout cas, les garanties qui auraient pu être fournies par le ministère de l'Intérieur, puisqu'il y a eu des effets d'annonce. Moi, encore une fois, je ne peux vous parler que des garanties qui, puisque ce groupe de travail de liaison de la DACG, il s'est réuni trois fois, la dernière fois, en septembre dernier. Et au titre des garanties, on a dit l'évaluation des directeurs zonaux et directeurs départementaux de la police nationale avec un avis qui est sollicité du procureur de la République et du procureur général. Franchement, je ne veux pas être excessif, hein, si vous voulez, mais c'est risible. Si vous voulez, si l'évaluation par l'autorité judiciaire, la notation des OPJ était importante, je veux dire, depuis des années que je l'ai fait, je le saurais. Non, je ne crois pas que ce n'est pas comme ça qu'on règle une problématique. Alors, je n'y vois pas, de mon point de vue, véritablement d'utilité. Ce qui ne veut pas dire que je ne vois pas d'autres intérêts à d'autres solutions qui pourraient être envisagées. Voilà. Et puis après, si vous voulez, on nous a parlé aussi d'une doctrine d'emploi de la police judiciaire. Moi, si vous voulez, je suis un juriste, quand même, malgré tout, si vous voulez. Et ce qui compte, c'est quelle est la valeur normative d'une doctrine d'emploi infraréglementaire. Si vous voulez, moi, très franchement, ce n'est pas quelque chose qui est de nature de dire qu'on a un texte, à un moment donné, qui va être adopté par voie de circulaire et qui va dire qu'il ne faut pas toucher un certain nombre d'effectifs, d'effectifs de la police judiciaire. Non, ce n'est pas comme ça qu'on régule, à un moment donné, un sujet aussi sensible que celui-là. La question du libre choix. La question du libre choix, évidemment, on dit mais on ne touchera pas au libre choix, l'article 12 du code de procédure pénale. C'est un totem, ça, hein, si vous voulez. Mais ok, non, on n'y touchera pas. Après, si vous voulez, le libre choix de choisir des services sans capacité opérationnelle, on peut la question. Mais surtout, si vous voulez, à l'aune de... Moi, je m'en tiens uniquement à ce qui m'a été communiqué dans le cadre de ce groupe de travail. Et les projets de texte, en ce qui concerne l'organisation précise de la réforme, c'était pas clair. Et c'est les observations que les membres du groupe de travail ont fait à la direction des affaires criminelles et des grâces. Soyons très clairs. Mon problème, moi je suis, si vous voulez, là encore, deux remarques. L'expérience, si je puis dire, et la prospective. L'expérience, moi je peux vous parler de, dans les directions départementales de la sécurité actuelle, de la saisine des sûretés départementales. La saisine des sûretés départementales où, théoriquement, les procureurs de la République ont le droit de saisir directement la sûreté départementale. C'est une lutte constante. Toute la volonté des DDSP, en tout cas dans les grands centres urbains que j'ai connus, c'est de dire non, vous me saisissez moi des DSP et c'est moi qui fais l'orientation. Et toute l'approche consiste d'ailleurs à nous enserrer dans des protocoles multiples et variés qui visent à canaliser le libre choix. Et comme parfois certains chefs de parquet se comportent peut-être plus comme des diplomates que comme des, comment dire, autorités de police judiciaire, eh bien, au nom d'une certaine paix des relations, eh bien, on consent à cela. Et c'est exactement la même chose
qui est susceptible de se passer, parce qu'à un moment donné, on dira, mais non, moi j'ai les moyens, je les évalue, je peux faire les orientations avec la DDPN. Après, si vous voulez, la question du libre choix. La question du libre choix, ce n'est pas le sujet. C'est le sujet, il faut le préserver. La question, si la réforme se fait, c'est la question de l'allocation des moyens dans le temps. Il est là. Parce que, si vous voulez, c'est des choses qui vont se dérouler, pas dans l'immédiateté d'une réforme, mais dans les 1, 2, 3, 4 dernières années. Et à un moment donné, quand les moyens sont nécessairement contraints ou constants, eh bien, dans le temps, si vous voulez, on a des moyens qui vont être dérivés nécessairement aux services les plus en difficulté, parce que, de mon point de vue, la réforme telle qu'elle est expérimentée, elle n'a pas montré sa capacité à apurer les stocks. Donc, si vous voulez, voilà ce que je voulais vous dire sur la réforme. Véritablement, il faut bien voir que l'orientation, le couple DDPN-préfet, c'est l'attention à ce qui relève de la sécurité publique actuellement, l'attention à l'ordre public et la paix publique, et des phénomènes supradépartementaux de délinquance, des phénomènes organisés, des phénomènes moins visibles, des phénomènes aussi dangereux pour l'état de droit que ceux que connaissent des pays d'Europe du Nord, où à un moment donné, une tentative d'enlèvement sur un premier ministre belge, c'est quand même de la part d'un groupe criminel. Enfin, moi, je n'en ai connaissance que par les relations avec la presse. C'est quelque chose qui est inédit à un moment donné. Je pense qu'il y a un vrai danger à un moment donné, que là, on a un dispositif efficace, dédié au traitement des formes éminentes sans qu'on soit, ou des formes importantes sans qu'on soit au niveau des offices, et qui le sont aussi à travers des structures judiciaires qui sont dédiées à cela. C'est les juridictions interrégionales spécialisées. Parce que derrière, à ces interlocuteurs judiciaires spécialisés qui n'ont pas fait la preuve de leur inefficacité totale, il faut des interlocuteurs utiles, et pas seulement des offices centraux. Parce que d'expérience, je peux vous assurer, c'est que là, pour le coup, l'écosaisine, elle peut avoir du sens. Entre un service central qui va gérer des dimensions européennes, des connexions sur des pays étrangers, et puis ceux qui vont gérer effectivement le terrain régional, c'est-à-dire une DTPJ, une DZPJ, là, il y a de l'utilité, véritablement. Voilà, moi, si vous voulez, je ne sais pas à ce stade, si vous souhaitez, parce que j'ai pris votre canevas, j'essaie d'y répondre et je peux aller au bout, ou je peux m'interrompre pour vos questions, c'est vous qui me dites. Je ne sais pas, vous étiez loin de parler au bout. Non, il me reste, bon, donc, les orientations, la politique pénale des parquets dans tout ça. La politique pénale des parquets. Si vous voulez, moi, ce que j'en retiens de l'expérimentation, c'est que les critiques qui ont été faites, c'est que, et qui sont remontées des parquets, c'est que les orientations des parquets n'étaient pas prises comme étant des orientations principales. Il faut bien voir, si vous voulez, que du point de vue, et moi, je ne fais pas de polémique, je vous dis véritablement telles que les choses, telles que je les vis, alors peut-être avec mon prisme particulier. Mais le parquet pour le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, c'est un gestionnaire de stock, c'est un gestionnaire de flux. Quand on reçoit l'équipe de projet, à aucun moment, on ne vous parle de parquet qui dirige la police judiciaire. À aucun moment, on vous parle de politique pénale des parquets. Aujourd'hui, le véritable prescripteur de politique pénale, c'est le ministère de l'Intérieur. À un moment donné, si vous voulez, vous voyez que la politique pénale, elle est en tout cas judiciaire, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment priorisée. Donc, si vous voulez, en tout cas, il y a des prescriptions, ne serait-ce que parce qu'il y a un événement qui se passe, parce que la thématique des rodéos, ça a donné lieu à un certain nombre de directives, et la nécessité de réaliser tant d'opérations par semaine sur chaque circonscription, etc. On sait qu'il y a un phénomène médiatique, il y a un plan qui est adopté, il est diffusé, il est mis en place, etc. Et c'est ça qui fait, de toute façon, l'alpha et l'oméga, en tout cas des services de sécurité publique. La problématique, si vous voulez, des relations avec l'autorité préfectorale. D'ailleurs, dans votre questionnaire, ça m'a amusé, parce que vous dites sécurité publique sous l'autorité des préfets. Non, si vous voulez, c'est ce que je vous disais au départ, police administrative, police judiciaire. Normalement, la police judiciaire,
elle est pas du tout sous l'autorité du préfet. Et normalement, il n'y interfère pas. Alors, la garantie du secret de l'enquête, la préservation de toutes les ingérences, des ingérences extérieures. Il y a la notion de continuum de sécurité. La notion de continuum de sécurité fait que les préfets ne se désintéressent pas des réponses judiciaires. Dire autre chose, ce n'est pas la réalité des choses. Alors, moi, si vous voulez, aujourd'hui, on a une situation d'une police judiciaire qui, certes, est dans des réunions, et c'est toute la lutte contre la radicalisation avec le préfet, dont il est la cheville ouvrière, mais il n'y a pas de compte-rendu de la police judiciaire. Alors, certes, il y a un compte-rendu à la direction centrale de la police judiciaire qui est fait par le biais... Moi, si vous voulez, quand on glose sur la remontée d'informations au sein du ministère de la Justice, moi, ça me laisse assez rêveur par rapport à la remontée d'informations au sein du ministère de l'Intérieur. Tout remonte. Moi, c'est une question que je pose systématiquement dans les rencontres que j'ai bilatérales avec les responsables des services enquêteurs de mon ressort, parce que je connais la réponse, parce qu'il y a des notes blanches, parce qu'il y a des synthèses, si vous voulez. Et là, il y a une problématique à un moment donné il y a une problématique de principe qui n'est pas abordée à cet égard sur la canalisation de cette remontée d'informations. Mais aujourd'hui, si vous voulez, pour ce qui relève des services déconcentrés de la police judiciaire, il n'y a pas de sujet. Et puis, vous avez avec la police judiciaire classique, il y a un article aujourd'hui sur l'histoire de la police judiciaire qui est dans le Figaro, je le voyais, pas pour citer cet organe de presse à un moment donné, mais parce que c'est dans le panorama du ministère de la Justice, et qui est très intéressant, si vous voulez, sur l'histoire de la police judiciaire, et qui explique que l'histoire de la police judiciaire crée l'opposition à la réforme. Mais vous avez une culture PJ. Moi, si vous voulez, ça fait... je travaille vraiment depuis la PJ, avec la PJ depuis 96. Si vous voulez. Donc, je les connais. Autant vous dire que quand j'ai ce genre de rencontre, depuis des mois, je suis en relation avec les responsables des services enquêteurs, les responsables de la PJ, qui, à un moment donné, si vous voulez, ne peuvent pas, n'ont pas pu s'exprimer parce qu'ils sont tenus à des obligations de réserve et que derrière, c'est plus compliqué pour eux de s'exprimer. Mais il y a une culture PJ. Il y a une culture, si vous voulez, de l'impartialité. Moi, j'ai des souvenirs, des propos, si vous voulez, de directeur central de la police judiciaire, qui voulait la police judiciaire, c'est la police de la preuve et de la preuve loyale et impartiale. Ça devrait être ça. Alors, vous donnez des exemples, si vous voulez, d'ingérence ou de pression, en tout cas, d'échanges souhaités et pas nécessairement reçus, mais évidemment que oui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez, je ne vais pas remonter à l'affaire du détournement du Pascal Paoli à Marseille dans les années 2000. Mais si vous voulez, quand moi vous donnez un exemple et finalement, quand au milieu des années 2010, quand on gère le conflit des VTC et des taxis, je peux vous assurer que la préoccupation de l'autorité préfectorale, c'est à un moment donné, qui est la paix publique à l'égard des taxis. Et on a des affaires et des procédures qui concernent et les uns et les autres. Et il y a des dimensions d'agenda qui peuvent jouer. Et c'est pour ça qu'il faut à un moment donné une capacité d'une police judiciaire qui traite en temps et en heure, y compris les faits de violence susceptibles d'être imputés à des taxis, et qui peuvent avoir des répercussions en termes de manifestations des organismes corporatifs de taxis. La gestion des manifestations, je peux vous en parler, parce que j'en ai vécu, mais la gestion des manifestations, quand vous avez 40 interpellations, parce que ça c'est des exemples très précis, et que derrière vous avez 38 classements infractions insuffisamment caractérisées, on vous demande pourquoi. Il faut lui relire le guide de la judiciarisation des manifestations d'ordre public. Il a été conçu par le ministère de l'Intérieur. Le guide de la judiciarisation. Le contentieux des violences conjugales. Le contentieux des violences conjugales, si vous voulez, aujourd'hui, au titre du continuum de la sécurité dans cette politique publique, eh bien, on demande au préfet de récupérer des éléments statistiques sur les suites judiciaires réservées par leurs procureurs de la République, les procureurs de la République de leur département. Donc, si vous voulez, je peux vous,
Moi, si vous voulez, j'ai à un moment donné, dernièrement, un préfet qui m'écrit sur, qui écrit au premier président sur le traitement d'une procédure de rétention d'un étranger en situation irrégulière au niveau de la cour, en situation de radicalisation. Donc je dis simplement, si vous voulez, voilà, moi, il y a, et il ne s'agit pas, et puis il y a des exemples, si vous voulez, que sur lesquels je pourrais être plus, plus clivant et encore plus précis, mais que dont je préfère pas faire état, parce que de toute façon, il y a des dimensions de secret, et je veux pas, et je veux pas véritablement les enfreindre. Mais je pense que véritablement, il y a l'absolue nécessité de découpler la capacité de traitement des formes les plus graves de délinquance du soupçon de l'interférence administrative et de l'interférence du pouvoir exécutif. Voilà. Le stock. Les stocks de procédures en cours, je me suis déjà exprimé à cet égard. Bon, si vous voulez, le stock, c'est le manque d'enquêteurs. Hein. Le nombre d'enquêteurs en nombre et en qualité, le déficit d'encombrement, je l'ai déjà dit. Moi, si vous voulez, j'ai voulu, depuis la fin de l'année dernière, et d'ailleurs au moment où j'ai commencé à écrire pour la direction des affaires criminelles et des grâces, j'ai voulu mettre en attention la gestion des stocks dans mon ressort. Donc tous les trimestres, si vous voulez, tous les trimestres, j'ai des statistiques qui me sont données, que je demande aux services enquêteurs de fournir d'abord au procureur de la République et parallèlement à moi, pour savoir le nombre de procédures en cours par commissariat, par brigade de gendarmerie, pour l'APJ, et le nombre d'OPJ et d'APJ associés par service. Et c'est profondément intéressant. Parce que, si vous voulez, j'ai aujourd'hui un recul d'une année, c'est-à-dire quatre trimestres à peu près, je n'ai pas d'évolution. Je n'ai pas d'évolution à la baisse des stocks. J'ai pas de... Voilà. Alors peut-être... et Dieu sait si on a essayé de discuter avec les procureurs de la République à un moment donné de la manière de répondre, de mettre en œuvre cette dépêche trisignée qu'on a eue en mai, en mai de 2021. Mais moi, si vous voulez, ça, je fais des ratios par OPJ, parce que c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi par OPJ plutôt par enquêteur? Parce que je crois que l'enquête, elle est collective, au stade du service d'enquête. Je me suis déjà exprimé à cet égard. Et si on se rappelle que le DRPJ de Versailles signe pour chaque enquêteur un mois d'heures supplémentaires, eh bien, j'ai, pour les sections de recherche où, qui sont très homothétiques de la PJ ou, j'ai, ou la DRPJ ou la DTPJ Orléans, j'ai une ou deux procédures en cours par OPJ. Une ou deux. En gendarmerie, on est entre 18 et 32. Je reprends mes chiffres, au niveau DTSP 92, 550. Au niveau DDSP 78, Yvelines, 144 par OPJ. Au niveau DDSP du Val d'Oise, 221 par OPJ. Au niveau de l'Eure-et-Loire, puisque c'est aussi le département qui dépend de la Cour d'appel de Versailles, 128 par OPJ. Ça mesure, si vous voulez, l'état de la situation, et on est hors contrôle. Donc, si vous voulez, j'ai ce recul, si vous voulez, sur la résorption des stocks. Je ne crois pas que l'expérimentation ait montré sa pertinence sur ce qui constitue l'objectif principal, me semble-t-il, un des objectifs principaux de cette réforme. Après, si vous voulez, je sais qu'on a dit, mais c'est l'alignement sur l'organisation de la gendarmerie ou de la préfecture de police. C'est inexact. Voilà, c'est inexact. Les sections de recherche, si vous voulez, elles ne sont pas adossées à un niveau départemental. Elles ont une compétence qui est historiquement très homothétique à celle de cour d'appel, hein, si vous voulez, et elles dépendent du général commandant la région et qui n'est pas subordonné au préfet. Et donc, si vous voulez, elles se situent très largement au niveau des structures déconcentrées de la direction centrale de la police judiciaire. Peut-être que ça sera d'ailleurs la solution de repli, hein, si la réforme se plaît, les sections recherche. Le groupement, c'est différent. Le groupement de gendarmerie, moi, j'ai vu une évolution depuis les années 2010, si vous voulez, où, véritablement, une proximité beaucoup plus grande de l'autorité préfectorale. Il y a aussi ce qui sous-tend la réforme, j'ai oublié d'y insister, mais c'est en toutes lettres dans la réforme, c'est la proximité avec les élus. Moi, si vous voulez, j'ai évidemment pas, comme ancien procureur de la République ou comme procureur général, contre
la proximité avec les élus. Mais véritablement, ce qui compte aujourd'hui dans l'état d'esprit d'un DDSP, d'un commandant de groupement, c'est sa relation à l'autorité préfectorale, sa relation avec les élus, la dimension police-population. Là, c'est bien ainsi, sur un certain niveau de délinquance qui concerne la voie publique, pas sur les formes les plus organisées, les plus éminentes, les plus sensibles de délinquance. La comparaison avec la gendarmerie est une mauvaise comparaison. Quant à la comparaison avec la préfecture de police, si vous voulez, moi j'étais en contact avec Rémy Hetz, qui connaît encore mieux le procureur général de Paris que moi la police parisienne. Mais si vous voulez, vous avez l'organisation de la PP, elle est atypique, elle est très spécifique. Vous avez avant tout une direction régionale de la police judiciaire, et sa culture reste quand même celui du Quai des Orfèvres, du 36, véritablement. Et vous avez la DESPAP, vous avez la DOPC à un moment donné, et c'est chacun à leurs effectifs propres. La DRPJ Paris, elle est compétente pour Paris, elle est compétente aussi sur la Petite Couronne, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, Val-de-Marne, avec des SDPJ, mais des DPJ qui ne dépendent pas des préfets de département, qui dépendent de la DRPJ. Donc c'est la comparaison, là encore, n'est véritablement pas fondée. D'ailleurs, actuellement, on est en train de travailler, de s'alerter sur la problématique des JO 2024. Moi, quand je lis les notes de la préfecture de police à cet égard, et qui nous sont communiquées dans le cadre des très très bonnes relations qu'on a avec eux, eh bien, si vous voulez, ça s'adresse avant tout aux services de sécurité publique, véritablement. Bon, en un mot commençant, si vous voulez, je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable, et on ne peut pas comparer la réforme de la police nationale avec ce qui existe au niveau gendarmerie ou au niveau PP. Merci pour toutes ces explications détaillées, monsieur le procureur général. Vous avez, alors déjà pour commencer, le rapport de novembre 2021 dont vous avez parlé, je veux bien que vous nous le communiquiez. J'ai fait trois rapports. Attendez, il faut que vous rappuyez sur le micro. Trois rapports. Et là-dessus, je l'ai, si vous voulez, je suis loyal, c'est-à-dire il est à la direction des affaires criminelles et des grâces, je l'ai communiqué à l'ensemble des procureurs généraux, moi, il n'y a aucun problème pour que je vous communique. J'en ai fait un en juillet 2022, à la suite de la rencontre qu'on a eue avec la structure de projet, et j'en ai fait un en septembre 2022, après avoir eu communication des textes réglementaires liés à la réforme qui ont été faites par la direction de projet. Donc je vous les communiquerai sans aucun espèce de problème. Et pour moi, ces rapports, c'était le sous-bancement de, selon moi, de l'action minime, mais qui consistait à rejoindre l'opinion de mes homologues procureurs généraux de façon à ce qu'il y ait une prise de position véritablement sur cette réforme qui est intervenue en octobre. Mais je vous communiquerai ces trois rapports. Très bien, merci. Et puis aussi l'étude qui a été menée par la PJ de Versailles sur un an et demi, là. C'est intéressant aussi de voir l'affectation des dossiers et les retours qu'elle a là-dessus. J'ai une première question. À un moment donné, vous avez évoqué, quand il s'agissait de parler de l'évaluation des DDPN par le parquet, qu'il y avait sans doute d'autres solutions pour assurer que l'autorité judiciaire assure un contrôle des fonctions de police judiciaire. Quelles sont les solutions que vous imaginez? Quelles sont les préconisations que vous faites en la matière? Moi, si vous voulez, je crois s'il y a un rattachement de la police judiciaire à l'autorité judiciaire, et ne jamais oublier, et ça c'est la base quand même, c'est que c'est un principe constitutionnel, le rattachement de la police judiciaire, le Conseil constitutionnel, décision de mai 2021 là-dessus qu'il a rappelé, c'est un principe constant du rattachement. L'article 12, il a une valeur constitutionnelle, ne l'oublions pas, véritablement. Et donc, effectivement, le libre choix, très bien. Le sujet, si vous voulez, comment se fait-il qu'une structure qui relève de deux autorités, une des deux autorités ne soit jamais associée à l'allocation des moyens? Moi, si vous voulez, je revendique la constitution d'indicateurs qui permettent de piloter. C'est une réflexion qu'a eu d'ailleurs le premier. Moi, si vous voulez, je cite mes sources.
qu'il y a eu, c'est en discutant avec le premier président Jean-François Bénel, que, parce qu'il a produit lui aussi, pour ça que je dis, mais et pourquoi ne pas avoir des indicateurs en termes de taux d'élucidation véritablement ? Ils existent, mais il faut les systématiser véritablement. Et surtout, moi, si vous voulez, ce que je demande à un moment donné, c'est sur la base de ces indicateurs comparés dans le ressort, effectivement, d'être partie prenante à un processus d'allocation des moyens et d'être légalement le devoir de consulter l'autorité judiciaire pour dire non, il n'y a pas suffisamment de moyens pour traiter ce type de délinquance dans ce ressort avec les spécificités qu'elle a. Mais quand on ne demande rien à personne, il ne faut pas s'étonner qu'il ne s'exprime pas. Donc, si vous voulez, je crois que là, il y a des choses à construire véritablement de façon à ce que l'autorité judiciaire dépasse la simple direction d'une procédure déterminée pour apprécier une capacité collective de traitement de formes de délinquance. Ça, c'est un sujet, véritablement. Et je crois, alors c'est quelque chose qui peut tout à fait être construit. Et derrière, ça veut dire qu'on peut se donner, si vous voulez, des éléments de dire, apprécier un contentieux, comment il est constaté en police judiciaire, comment on y est répondu en termes de réponse pénale. Ça, il y a du travail à faire. Mais ça suppose, à un moment donné, des points de passage obligés annuels. Merci pour ces propositions que je note. Sur la question qui nous occupe aussi, justement, des moyens de la police judiciaire, vous avez dit, vous avez eu un propos assez tranché sur la question de la procédure pénale, en disant que la simplification de la procédure était un leurre. Or, c'est l'étape suivante, a priori, en tout cas d'un point de vue législatif, c'est ce que devra annoncer le garde des Sceaux prochainement, dans le cadre de la loi de programmation de la justice. On sait qu'il y a un groupe de travail qui a fonctionné sur la simplification de la procédure pénale, parce que aujourd'hui, les tenants de la réforme de la départementalisation, en tout cas dans les auditions qu'on conduit, ont tous acté que la réforme n'aurait aucun impact sur les stocks. Tout le monde en est d'accord aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était le cas avant, mais en tout cas aujourd'hui, tout le monde en est d'accord. Et donc, la seule perspective pour diminuer les stocks, ce qui est une chose un peu souhaitable pour plein de raisons, c'est à la fois les assistants d'enquête qui ont été votés dans le cadre de la LOPMI, mais qui mettront nécessairement du temps à être déployés, évidemment, ne serait-ce que pour les former et les mettre dans les services, mais la simplification de la procédure. Pourquoi vous pensez que cette simplification de la procédure est un leurre ? Parce que, si vous voulez, je crois que la forme est la sœur jumelle de la liberté. C'est un grand principe de droit, si vous voulez, qui fait la garde à vue, si vous voulez, la problématique de la garde à vue. À un moment donné, les droits, il faut qu'ils s'incarnent, il faut qu'on puisse en justifier, il faut qu'on puisse respecter, si vous voulez, s'assurer que leur respect a été effectif. On a fait, dans mon ressort, si vous voulez, avec Pontoise, il y a eu des expériences qui ont été menées sur l'oralisation de la notification des droits en matière de garde à vue. Voilà. C'est un constat d'échec. Pourquoi ? C'est un constat d'échec, si vous voulez, en termes de complexité technique, en termes de risque de recours, si vous voulez, en termes de nombre dans lequel ça a été effectivement utilisé. Moi, j'ai fait me remonter des rapports, si vous voulez, qui étaient des rapports qui n'étaient pas concluants. Et je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a la nécessité de pouvoir s'assurer que les droits, ils ont été respectés, soit que c'est enregistré, véritablement. Mais ça veut dire, si c'est enregistré ensuite, de toute façon, dans le cadre du procès, il faut le diffuser, véritablement. Et je peux vous assurer, j'étais dernièrement devant la cour d'assises, il se trouve que l'accusé, il a refusé de comparaître. Il est resté dans les geôles attenantes à la cour d'assises. On a projeté son audition enregistrée. On a pris un temps beaucoup plus significatif. Donc, je crois que, si vous voulez, notifier le droit à l'avocat, notifier le droit au médecin, il faut que ça s'incarne. Alors, sans doute, il y a des process, il y a de gros... Je crois que, si vous voulez, les marges d'efficacité, ils peuvent être sur le plan numérique.
Mais si vous voulez, quand je vois l'interface du LRPPN sur la procédure pénale numérique, on en a fait la démonstration il y a 3 semaines, je ne suis pas totalement convaincu, si vous voulez, que ce soit d'une simplicité absolument biblique pour l'enquêteur. Donc, si vous voulez, moi, je crois que, si vous voulez, vous avez des exigences en termes de droit. Qui s'attendait, il y a 5 ou 6 ans, à la jurisprudence sur les données de connexion? Et pourtant, elle est là, elle nous crée d'infinis, elle complique considérablement la tâche des services enquêteurs et des parquets, mais il va falloir à un moment donné faire avec. Et ça se traduit de toute façon par, si vous voulez, des comptes rendus, des autorisations formelles pour s'assurer que ce qui a été autorisé l'a été valablement. Et la procédure, le principe de base, c'est que la procédure pénale reste écrite, véritablement. Et ça, c'est un sujet qui, à mon avis, est difficilement contournable. Donc moi, très franchement, à chaque fois qu'on a... J'ai bien suivi tous ces travaux de simplification de procédure. J'ai jamais été convaincu, si vous voulez, de ça. On a essayé, comme chef de parquet, on a essayé de faire des autorisations générales. On s'est fait racler, à juste titre, parce que, si vous voulez, nous n'étions pas en phase avec ce que les textes européens, notamment, nous enjoignent. Et je pense que ces textes, ils demeurent. Ou alors, si on veut que cet état de droit demeure. Je vais laisser la parole à la co-rapporteure Marie Guévenoux, qui voulait aussi poser une question. C'est à toi, Marie. Tu actives ton micro, je pense. Il est activé. Vous m'entendez ? Oui. Ok, super. Ok, merci beaucoup, monsieur le procureur général, et navré de ne pas être avec vous en présentiel cet après-midi, et de n'être qu'à distance. Merci aussi pour l'exhaustivité de vos propos. Moi, j'aurais juste 2 questions. Revenir sur les stocks. Vous avez parlé de cannibalisation du contentieux, de vif au niveau des stocks de procédures. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris, d'une part, et puis d'autre part, si c'est le cas, que ce soit sur ce contentieux-là ou n'importe quel contentieux de masse, qu'est-ce qui pourrait être mis en œuvre, de votre point de vue, pour résorber des contentieux de masse auxquels on peut faire face? C'est ma première question. Puis la deuxième question, c'est que vous avez très souvent, dans vos propos, vous êtes revenu sur la question des moyens et sur la question en particulier des effectifs, du manque d'enquêteurs. Alors, j'imagine que c'est difficile à évaluer, mais sur votre ressort à vous, comment vous évaluez ce manque d'effectifs? Est-ce que vous seriez en mesure de nous le, voilà, globalement, de nous le chiffrer, de nous dire quelle est la proportion d'enquêteurs qui manque? Est-ce qu'il en faudrait le double? Est-ce qu'il en faudrait le triple? Est-ce qu'il en faudrait, etc., etc. Voilà, merci beaucoup, monsieur le procureur. Madame la députée, oui, de cannibalisation, si vous voulez, c'est un terme pour évidemment marquer les esprits qui a été employé par le DDSP du Val d'Oise quand je suis allé le voir. Mais il y a, et c'est une orientation de politique pénale majeure, hein, si vous voulez, sur un contentieux qui était trop resté longtemps historiquement hors de vue policière et hors de vue judiciaire. Et donc on est confronté à une hausse quantitative considérable depuis 2017. On a eu des statistiques qui nous ont été diffusées tout récemment par l'Observatoire des violences par conjoint, par la direction des affaires criminelles, qui sont totalement éclairantes. On a plus de 70% de mise en cause judiciaire. Et aussi, vous avez une exigence de qualité des enquêtes qui est considérable. C'est-à-dire que quand on voit une audition aujourd'hui en la matière et une audition il y a 4 ans, c'est du simple au double. Vous avez des grilles d'évaluation de danger et tout ça nécessairement est beaucoup plus mobilisateur pour les enquêteurs. Et puis vous avez, et ça se retrouve à la fois au niveau des enquêteurs, mais des magistrats ou des agents de SPIP, vous avez aujourd'hui une crainte de la mise en cause personnelle et la mise en cause de la responsabilité. Ça, c'est un sujet, si vous voulez. C'est un sujet qui a été maximisé par des annonces d'inspection, véritablement, et qui, là-dessus, fait que ce contentieux,
à la fois parce que d'ailleurs, la direction centrale, ne l'oublions pas, la direction centrale de la sécurité publique, moi j'avais jamais vu ça hein, en mai 2021, qu'elle écrit qu'elle a uniquement au service déconcentré de la sécurité publique, elle dit même les services qui ne traitent pas habituellement de ce genre de contentieux devront s'y mobiliser. C'était pour ma part relativement inédit. Ça veut dire que si vous voulez, c'est priorisé de manière relativement anxiogène du point de vue de la responsabilité, et que derrière, si vous voulez, le reste est décalé. Dans des institutions en tension, quand vous faites un circuit court, vous faites du circuit long, c'est du mécanique. Et moi, j'ai un souvenir, si vous voulez, très précis, de victimes qui m'écrivent en disant « mais il n'y a pas de problème, on est en relation avec le service enquêteur, c'est une affaire d'agression sexuelle, on les appelle régulièrement et ils nous disent « mais non, la priorité, c'est les violences conjugales et pas la violence sexuelle ». Je veux dire, ça, cette transmission, si vous voulez, cette lettre que j'ai reçue d'un justiciable, elle m'a, et elle ne critiquait pas l'enquêteur, c'était quelque chose qui m'a frappé. Donc, si vous voulez, voilà, vous avez cette dimension aujourd'hui, dans un contexte très contraint, eh bien, et vous avez une focalisation qui fait que, de fait, c'est une priorité qui est faite dans un contexte contraint, crée des priorités qui sont bien moindres. En ce qui concerne, si vous voulez, la résorption des contentieux de masse, moi, si vous voulez, je pense que il y a des moments, il va falloir prioriser. On n'a pas d'autre choix. Je pense que on ne peut pas se satisfaire, si vous voulez, les services régaliens de l'État dans lequel nous sommes. Voilà, je vous le dis très clairement, et c'est sur fond des États généraux de la justice. J'entends que des choses soient possibles en termes d'organisation, mais c'est réducteur. Il y a à un moment donné, si vous voulez, des services qui, en termes de moyens de police judiciaire ou de moyens judiciaires, n'ont pas été prioritaires, n'ont pas eu les moyens, il va falloir rattraper d'une manière ou d'une autre. Je ne vois pas comment il peut en aller différemment. Et c'est toute la problématique des suites des États généraux de la justice en ce qui nous concerne qu'on attend. Donc voilà. Après, si vous voulez, et après, dans ce cadre-là, si vous voulez qu'on fasse des priorités, les priorités nécessairement, elles seront il y a l'économique et financier, le petit économique et financier. Quand vous avez des mécanismes de régulation autres et d'indemnisation qui sont faites par les établissements financiers, vous pouvez avoir, le cas échéant, des niveaux de classement qui sont supérieurs, c'est possible. Le problème aujourd'hui, c'est que de mon point de vue, si vous voulez, il y a une attente au pénal qui est très forte sur les atteintes aux personnes, sur les atteintes volontaires aux personnes, et je ne crois pas que cette atteinte, on puisse véritablement la juguler à la baisse. Mais peut-être que je me trompe. Et on voit bien aujourd'hui que le harcèlement cyber, c'est quelque chose que les gens vivent comme étant hautement préjudiciable. Et c'est des choses qui se développent et qu'il va falloir traiter. Donc, si vous voulez, moi, je n'ai pas les recettes. Et puis, très franchement, à chacun son métier. Hein, voilà. Moi, mon métier, c'est d'essayer de traiter, de faire en sorte que les procédures elle soit traitée le mieux possible, et dans ce cadre-là, de faire en sorte que les procédures les plus importantes soient traitées le mieux possible. Voilà. Après, ce qui relève de l'autorité politique, ça relève de l'autorité politique. Au niveau des effectifs, si vous voulez, à un moment donné, et je reprends les réflexions du dernier DDSP que j'ai pu côtoyer quand j'étais procureur de la République, ce qui date de 4 ans en arrière. À un moment donné, si vous voulez, la problématique, elle se pose peut-être en termes de situation comparée, gendarmerie, police nationale. Je vous ai donné un certain nombre de chiffres qui montrent que les missions sont différentes, mais les niveaux d'encours sont aussi différents. Donc je pense que si vous voulez, je crois vraiment à des ratios de nombre de procédures en cours qui font qu'au-dessus du ratio, ça va, en dessous, on n'est pas bon. Quand j'ai des procédures à 550 par OPJ, c'est clairement pas possible. Voilà, je pense que moi, je verrais plus par OPJ, si vous voulez, des ratios qui sont autour d'une soixantaine, véritablement. Je crois vraiment, mais comme ça, un peu à la louche, si vous voulez. Quand je vois que les gendarmes, on est à 30 et qu'on s'en sort, je pense que ça, en tout cas, il faut qu'on se donne des objectifs. Et peut-être, il y a une mission sur les stocks.
une mission qui est inspection générale de l'administration, mission inspection générale de la justice, IGPN, IGGN. J'en ai eu connaissance tout récemment, et votre mission le sait certainement. Moi, j'entends que cette mission, eh bien, elle fasse l'état des lieux. En tout cas, ce qui n'est pas admissible, c'est qu'on demande à l'autorité judiciaire de régler le problème. Voilà. Il ne relève pas de lui, pas d'elle. À un moment donné, c'est une problématique là-dessus qui relève du pouvoir exécutif, qui relève du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur doit la traiter. Le parquet n'est pas là pour avoir une politique de gestion de stock ou de gestion de flux à titre principal. Il est là pour faire en sorte que des procédures soient traitées correctement, qu'il ait une attention globale, mais ça ne doit être pas le premier ressort qui lui est demandé. Merci, Monsieur le Procureur général. Je vois que l'heure tourne. J'ai une dernière petite question. Est-ce que dans un schéma idéal, parce que dans le cadre de nos visites sur les expérimentations, on a eu quand même des retours positifs sur l'aspect qualitatif d'avoir mis les sûretés urbaines et sûretés départementales sous l'autorité fonctionnelle, en tout cas, à tout le moins, des chefs de la PJ, PJ au sens de CPJ, et que cette culture PJ avait pu irriguer un certain nombre de bonnes pratiques l'organisation des SU et des SD. Est-ce que, dans l'absolu, c'est pas une bonne idée de reconstituer, cette filière investigation judiciaire, peu importe, mais de faire en sorte qu'aussi au sein de la sécurité publique, on rescinde en deux distinctement ce qui relève de la police administrative ou de prévention et de ce qui relève de la police judiciaire. Je mets de côté le débat sur qui chef à la fin, est-ce que c'est le DDPN, des ZPN, etc. Mais non. Au moins sur cet aspect-là, Je pense que si vous voulez, la question des sûretés départementales, elle a introduit de la complexité. Pour moi, à un moment donné, ce qui relève des sûretés départementales historiquement, un certain nombre de trafic de stupéfiants, violences sexuelles, des choses comme ça, ça pour moi, ça devrait être beaucoup plus sur des niveaux crypto-PJ. Hein, voilà, je crois. Après, je reste persuadé, si vous voulez, qu'il y a la délinquance de voie publique, la délinquance du quotidien. Cette délinquance du quotidien, elle doit être gérée à un niveau commissariat. Elle doit être gérée véritablement. Il y a sans doute la nécessité de culture. Mais moi, je crois vraiment à deux niveaux bien distincts. Voilà, et il y a la masse, véritablement, la masse, et on voit bien que de plus en plus, je vois ce qui s'écrit dans les JO 2024, ce qu'on préfigure, l'attention aux ventes à la sauvette, ça c'est quelque chose qui est, et voilà, et les AFD posent d'autres problèmes, y compris en termes d'exécution et de taux d'exécution, mais si vous voulez, moi je crois vraiment qu'il y a de la délinquance grave, significative, complexe. Elle relève de la police judiciaire. Il faut effectivement mettre fin à ces guéguerres qui ont pu exister. Moi, je me souviens des sûretés départementales stup et des PJ stup, etc. Ça doit être regroupé. Je ne crois pas aux co-saisines, on n'a pas abordé ça, mais il faut que c'est pas le sujet. Moi, je crois vraiment qu'il faut traiter la problématique des commissariats, qui est des circonscriptions de police nationale, les futures, comme étant quelque chose qui est à part. Et après, il y a des mécanismes, si vous voulez, de formation, d'acculturation au judiciaire, mais eux, ils peuvent effectivement traiter de la prévention et ces formes de délinquance quotidienne, me semble-t-il, de mon point de vue, c'est plus clair. Merci, Monsieur le Procureur général. On arrive au terme de cette audition. Merci pour la clarté de vos propos et la sincérité qui est allée avec. Merci beaucoup.
Bien, bonjour. Merci à tous les quatre d'être présents aujourd'hui pour cette audition. Donc, je rappelle le cadre. Hein, Marie Guévenoux et moi-même sommes co-rapporteurs d'une mission d'information sur la réorganisation de la police nationale par le biais de sa départementalisation. Et on met la focale, nous, sur la question des impacts sur la police judiciaire dans le cadre de cette réorganisation. C'est dans ce cadre que nous avons souhaité vous entendre. Évidemment, cette organisation a soulevé beaucoup de questions, une mobilisation des agents de la police judiciaire, mais aussi de l'autorité judiciaire, des déclarations publiques qui ont été faites du procureur jusqu'au procureur général après la Cour de cassation. Et donc, on a souhaité vous entendre aussi pour avoir le retour de la conférence, notamment sur les expérimentations qui ont pu être faites et sur les craintes que vous pouvez avoir et que vous pouvez peut-être encore avoir ou ne plus avoir en fonction des annonces qui ont pu être faites par, notamment par le ministre de l'Intérieur dans le cadre du débat sur la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, de son annexe et de ce qui est inscrit dedans. Vous savez que 3 inspections ont été lancées, 2 missions d'information, une à l'Assemblée nationale et une au Sénat, et qu'évidemment, ce qui leur ressortira aura un impact sur cette future réforme. Je ne vais pas être plus long puisque l'intérêt est de vous entendre. On vous a transmis un document pour pouvoir guider la discussion. Et évidemment, je vous laisser tenir un propos liminaire, libre. Et puis ensuite, on échangera ensemble. Et donc, Monsieur Ballan, je vous laisse la parole car vous êtes nouvellement président de la conférence. Merci, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les députés. Déjà, merci de nous avoir proposé de participer à vos travaux. Je me tiendrai à des propos liminaires, vous présenter en quelques mots la conférence si vous le permettez, quelques propos liminaires, et puis nous aurons l'occasion dans quelques heures, quelques jours de vous adresser le document écrit que vous avez sollicité, puisque en réalité il est déjà rédigé, mais en quelques mises en forme, et vous l'aurez très bientôt. Avec également les propos liminaires que je vais reprendre dans un instant. Vous dire que nous avons été entendus pas plus tard que ce matin aussi par les inspections sur le même sujet et que nous sommes à certains égards, certains procureurs qui sont expérimentateurs ont déjà été aussi entendus soit par vous-même ou le seront, soit par la Sénat et par les inspections également. Donc ce travail conjoint nous réjouit parce qu'effectivement c'est un sujet important, ça montre aussi que tout le monde s'en préoccupe et c'est déjà une excellente chose en soi. La Conférence nationale des procureurs de la République, c'est une association qui a vocation à représenter l'ensemble des procureurs de la République. Elle a désormais 20 ans puisqu'elle a été créée en 2002. Elle est devenue l'interlocuteur reconnu institutionnellement, tant par la chancellerie que par vous-même les parlementaires, que par tous les organes divers et variés qui s'intéressent aux questions judiciaires, et en particulier évidemment celle du ministère public. Tous les procureurs de la République en sont membres de droit. Pour autant, ils sont aussi invités à être adhérents et vous dire, par rapport à sa représentativité, puisque c'est une question que parfois on nous pose, les dernières élections qui ont eu lieu lors d'une assemblée générale extraordinaire en septembre dernier, donc qui a été organisée un peu à la dernière minute, a quand même permis de mobiliser 70% des procureurs qui ont voté pour le nouveau conseil d'administration, ce qui donne quand même aussi une certaine légitimité en plus de sa représentativité statutaire, si j'ose dire. Quand on compare aux dernières élections de ces jours derniers avec les élections professionnelles au sein du ministère de la Justice, magistrats et fonctionnaires confondus étaient à 57-58%. Donc voilà, ça me paraissait important que vous puissiez savoir d'où l'on parle également. Oui, effectivement, la Conférence nationale des procureurs assez vite a indiqué qu'elle était préoccupée, non pas par la réforme en elle-même d'ailleurs, mais par la situation que cette réforme révélait d'une certaine manière. On estime qu'il y a aujourd'hui une situation très préoccupante de la filière judiciaire, puisqu'on l'appelle comme ça désormais, ou filière d'investigation, au sein même de la police nationale, et que nous en sommes préoccupés parce que nous sommes concernés au plus haut point, comme vous le savez. Là aussi, ça me semble utile de le rappeler. Les procureurs de la République, si on s'en tient aux derniers chiffres qui viennent d'être publiés comme tous les ans par le ministère de la Justice, les fameux chiffres clés de la justice, les procureurs de la République en 2021 ont diligenté plus de 99% des enquêtes, ont
dirigé, plus que diligenté, ont dirigé, contrôlé plus de 99% des enquêtes. Pour être précis, 2 792 471 procédures ont été dirigées par les parquets et que sur ces procédures-là, seuls un peu plus de 17 000 ont fait l'objet d'une information judiciaire, c'est-à-dire 0,63%. Et alors même que ces informations judiciaires sont bien souvent débutées, dans la plus grande majorité des cas, par le ministère public lui-même, puisque ça va jusqu'à la garde à vue, comme vous le savez, et que l'instruction, bien souvent, s'ouvre dans une seconde phase. Donc, c'est pourquoi le dire ? Parce que si d'aucuns doutaient que nous sommes concernés par une réforme des personnes avec lesquelles on travaille au quotidien et sur la filière judiciaire, c'est rappeler qu'en fait, ceux qui dirigent et qui contrôlent, c'est les procureurs de la République dans la quasi-totalité des procédures. Donc, nous estimons que nous devons porter cette voie au sein de cette réforme-là. Les procureurs s'en sont préoccupés bien avant, d'ailleurs, cette question, puisque en novembre 2021, nous avons rendu public des travaux que nous effectuons depuis plusieurs années sur 10 propositions du ministère public. C'était pour nous l'occasion de participer au débat aussi sur la campagne électorale présidentielle, en disant voilà les 10 propositions que nous proposons, nous, ministère public, CNPR en tout cas. Validées, c'est important, par l'ensemble des procureurs, puisque lors d'une assemblée générale, ça a été adopté totalement par l'ensemble de nos collègues. Et dans ces 10 prépositions, il y en a une qui s'appelle « Pas de justice pénale sans enquêteur ». Et c'est ça qui est le nœud, nous semble-t-il, aussi de la réforme qui vous est proposée, qui a été en grande partie déjà, effectivement, non pas adoptée, mais en tout cas, on a vu les travaux de la commission mixte paritaire et la réserve qui a été ajoutée dans le cadre de la loi sur la programmation du ministère de l'Intérieur. Mais on pense qu'on a encore, effectivement, quelques mot à dire, en quelque sorte, la réalité de terrain à rappeler. Cette réalité, c'est laquelle ? Cette réalité, c'est de rappeler que le problème principal auquel nous sommes confrontés, nous, procureurs de la République, c'est l'état des stocks actuellement dans les commissariats de police à la sécurité publique. Le dernier chiffre que vous devez avoir, certainement, tel que, en tout cas, il nous a été communiqué, juin 2022, dernier recensement que nous connaissons, nous, il y avait 1 550 000 et quelques procédures qui étaient en attente de traitement dans les services de la sécurité publique. 1 555 000 uniquement, donc DSP. Donc ça n'intègre pas toutes les procédures qui sont éventuellement en attente, ce dont on ne doute pas dans tout ce qui est la préfecture de police notamment. Et évidemment hors zone gendarmerie. Donc on est sur 1 550 000 procédures en attente, certaines datent depuis plusieurs années. Pour nous, c'est une inquiétude majeure. Ça fait un ratio national de 104, nous dit le ministère de l'Intérieur, c'est une source au ministère de l'Intérieur, un ratio de 104 dossiers par enquêteur. Il resterait à savoir d'ailleurs ce qu'on appelle un enquêteur. Là-dessus, on n'a pas de définition. En tout cas, on ne la connaît pas. Elle existe très certainement au sein du ministère de l'Intérieur. Mais qu'est-ce qu'est un enquêteur ? À partir de quand on est un enquêteur ? Ça nous intéresserait d'avoir cette donnée-là. En tout cas, ça donne un ordre d'idée. Donc cette situation est hautement préoccupante et sans être trop grandiloquent, elle est préoccupante non pas parce que les procureurs estiment qu'ils ont trop de travail, qu'on demande d'avoir plus de moyens, etc. La question, c'est que ça fait, derrière ces procédures, ça fait autant de victimes qui sont en attente de la réponse et que ça fait autant d'auteurs potentiels qui sont dans une totale impunité parce que pas d'enquêteur, pas d'enquête, pas de suite pénale. Pas de suite pénale, l'impunité est assurée, les victimes peuvent toujours attendre une réponse à ce stade. Et la paix sociale, évidemment, connaît un impact important par rapport à cette situation. Donc c'est pour ça que ça nous préoccupe, parce que nous, on est passionnés par notre métier dans un seul objectif, qui est celui notamment de la paix sociale, avec cette mission tout à fait passionnante, qui est à la fois d'appliquer les lois, à la fois de tenir compte de l'intérêt général, tout en les impliquant au cas par cas, à chaque situation. C'est ce qui fait toute la grandeur et la beauté, et j'allais dire le côté passion de notre métier du ministère public. Et tout ça, c'est au quotidien. Et au quotidien, en réalité, nous sommes un petit peu dans une forme de difficulté, mais on le fait, à faire des choix, et des choix qui sont parfois cornéliens, entre quelles sont les procédures dans lesquelles il faut continuer à investiguer et quelles sont les autres procédures dans lesquelles on va classer sans suite, sans même faire aucune investigation, faute d'enquêteur, pas parce que... Il y a la question des moyens, et j'y reviendrai, des moyens évidemment de la justice sur la capacité de traitement. Mais déjà, la première question de savoir comment donner une suite
aux faits qui sont portés à notre connaissance, c'est d'avoir des enquêteurs. S'il n'y a pas d'enquêteurs, une fois de plus, il n'y a pas d'enquête. S'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de procédure en réalité. Donc, on fait ce choix entre les procédures qui, elles, feront l'objet d'investigations. Ce n'est pas pour autant qu'on aboutira à un résultat pénal, parce qu'on va rechercher les preuves à charge, à décharge, etc. Et puis, il y a celles où on va classer sans suite immédiatement, ab initio, comme on dit, à défaut d'avoir les capacités de le faire. Et puis, à celles qu'on va faire peut-être attendre, nous ou les services de police, on fait attendre le temps qu'elles soient prises en charge, éventuellement, ou alors avec le texte que vous avez adopté en décembre 2021, qui nous dit qu'au bout de 2 ans, de toute façon, voire 1 an supplémentaire, toute acte supplémentaire sera nul. Donc, sauf avoir une information judiciaire, avec les chiffres que j'ai rappelés tout à l'heure, bon courage. La conférence est évidemment hautement favorable à rechercher. Et c'est là où ça vient directement à votre mission. La conférence est évidemment hautement favorable à rechercher toute solution qui permettrait de faire évoluer cette situation favorablement. Et c'est pour ça que, si ça a été mal compris, autant le dire clairement, la conférence n'a jamais été contre la réforme, contre une réforme, puisqu'elle est favorable à ce que les choses évoluent et qu'il faut nécessairement qu'elle évolue. Ne serait-ce que dans l'intérêt de nos concitoyens, de la justice et de la paix sociale. Ça peut paraître des grands mots, mais en fait, on y croit au quotidien. Pour cela, il faut identifier et analyser les causes de la situation dans laquelle on se trouve tous collectivement avec nos amis de la police nationale. Les causes, très rapidement, on peut les décliner de manière beaucoup plus précise, mais je me contenterai de les citer. Première cause, la pénalisation croissante de la société. Parce que identifier les causes, c'est lutter contre les conséquences. Donc, si même cause, même conséquence, évidemment, tout ça est fort logique. Donc, les causes, telles qu'on les identifie depuis des années, hein, c'est pas nouveau, mais sauf que ça s'est largement aggravé. La pénalisation croissante de la société, inflation des textes répressifs, réglementaires, les législatifs. Et vous avez votre part de responsabilité, si je puis me le permettre aussi. Deuxièmement, l'augmentation globalement depuis des décennies du nombre de plaintes et de constatations d'infractions. Bon, en gros, pour dire simplement, la délinquance qui, année après année, augmente, mais aussi plus on crée de textes répressifs, plus la délinquance augmente ipso facto. L'explosion ces dernières années du nombre de procédures de violence intrafamiliale, particulièrement chronophage pour les enquêteurs, et ça on a vu que ça avait un impact très direct en quelques mois sur leur capacité de traitement, parce que c'est devenu, et heureusement, une priorité nationale, mais encore faut-il qu'il y ait des gens pour les traiter au niveau des commissariats. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits, mais on répondra plus précisément à des situations individuelles si vous le souhaitez. La situation reste tout à fait inquiétante. Quatrièmement, la complexification progressive de la procédure pénale, qu'on peut qualifier désormais à bout de souffle, sans exagérer les termes. Nous sommes vraiment à bout de souffle. Alors là, c'est tout un sujet à part entière que celle de la procédure pénale, bien entendu. Cinquièmement, le désintérêt croissant des enquêteurs de la police nationale pour la filière judiciaire. La cause précédente n'est pas sans conséquence sur cette autre cause. C'est-à-dire que plus c'est complexe, plus ils se disent que c'est compliqué de travailler en faisant du judiciaire. Sixièmement, le déséquilibre dans la répartition des effectifs de police entre, d'une part, ceux consacrés au maintien de l'ordre, à la police administrative, au renseignement, puis d'autre part, ceux des effectifs qui sont consacrés à la filière judiciaire. Nous constatons, si ce n'est un problème d'équilibre, en tout cas, nous appelons à un rééquilibrage. Et c'est peut-être un des messages principaux qu'on souhaite faire passer, un rééquilibrage dans l'utilisation des effectifs de la police nationale entre ce qui relève de l'administratif, du maintien de l'ordre et la filière judiciaire. Ça ne veut pas dire qu'on dit que ceux qui sont du côté de la police administrative utilisés ne servent à rien. Bien au contraire, on sait à quel point c'est important, mais qu'il ne faut pas oublier la filière judiciaire. C'est comme opposer répression et prévention, vous savez, c'est les deux jambes d'un même corps. Hein. Alors, c'est opposer l'ordre public d'une part et le judiciaire, c'est avoir un corps qui a une seule jambe et qui marche à cloche-pied. Parce que toutes les procédures qui sont accumulées par les policiers qui sont sur la voie publique aggravent les stocks, puisqu'ils amènent des procédures nouvelles, que ce soit aussi avec les polices municipales, j'en dirai un mot dans un instant. Et ensuite, il n'y a personne, en tout cas, il n'y a pas assez de monde, personne, c'est exagéré, il n'y a pas assez de monde pour pouvoir traiter les procédures et les infractions qui ont été identifiées sur la voie publique. Enfin, et j'en terminerai par là sur les causes, la montée en puissance des polices municipales dans de très nombreuses villes qui alimentent également les commissariats en procédure. Je crois que c'est un sujet qui est rarement abordé dans le cadre de vos travaux et c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Nous pensons, nous, qu'on ne peut pas, alors je ne parle pas de cette réforme en particulier, quoique,
mais on ne peut pas traiter la problématique de traitement des infractions dans notre pays sans intégrer dans notre raisonnement l'action aujourd'hui des policiers municipales, qui est devenue une action considérable, extrêmement importante dans bien des villes, y compris des villes moyennes, pas uniquement des grandes villes, avec des moyens très importants. À Béziers, pour citer juste Béziers pour une illustration, la nuit, il y a deux patrouilles de police secours au mieux qui seront disponibles. Il y a six patrouilles de la police municipale qui est disponible. Alors on me dira c'est Béziers, mais je pourrais multiplier les exemples. Et peut-être que ce n'est pas du coup le bon exemple en termes d'approche politique, puisque je sais ce qu'on peut en tirer comme positionnement politique, mais la réalité, alors Compiègne, on dit que c'est pareil. Enfin, et en tout cas, la police, je sais qu'à Nice aussi, toute une série de mots, tu en diras un mot sans doute tout à l'heure. Voilà. Donc ce sujet-là fait que si on ne comprend pas que la police municipale dans notre pays aujourd'hui a pris une place considérable dans les interpellations et dans l'alimentation des commissariats, et si on n'en tient pas compte, je pense qu'on n'a pas compris l'ensemble des enjeux, et en particulier le cadre dans lequel intervient cette police municipale, qui est en fait un cadre juridique totalement inadapté aujourd'hui, qui est celui de l'article 73 du Code de procédure pénale, à savoir tout citoyen, vous, moi, n'importe quel citoyen, alors que eux, ils sont armés, organisés pour le faire, et ils le font dans ce cadre juridique qui, en réalité, est totalement inadapté à notre réalité d'aujourd'hui. Conséquence de tout ça, très grande insuffisance du nombre d'enquêteurs par rapport aux besoins et donc augmentation progressive des stocks de procédures en attente de traitement. Je l'ai déjà dit, j'y reviens pas. Alors si la réponse, et j'en viens peut-être plus directement à vos sujets, quoique, si la réponse qui est apportée à cette situation préoccupante est uniquement, pas que, mais en tout cas en grande partie, de dire on a une des directions départementales de la sécurité publique qui sont en grande souffrance. Et de l'autre côté, on a de la PJ avec des policiers de haut niveau, ce qui est tout à fait le cas, expérimentés, ce qui est tout à fait le cas, qui ont beaucoup moins de dossiers par personne, j'allais dire heureusement. Si on pense que la solution, c'est d'aller chercher les effectifs de la police, de la police judiciaire, des DTPJ, pour renforcer les DDSP et tirer tout le monde vers le haut, nous estimons que cette analyse, elle est insuffisante. Et que moins, plus moins, ça n'a jamais fait plus en réalité, sauf dans certaines formules mathématiques. Mais sur ce sujet-là, nous estimons que c'est une mauvaise idée, en tout cas, de se limiter à ça, même si, une fois de plus, la réforme ne se limite pas à ça. D'autant plus, et c'est là-dessus qu'on souhaite insister, d'autant plus que les PJ elles-mêmes sont en grande difficulté. Elles sont... J'ai pas de chiffre des stocks, et ce serait intéressant de les avoir aussi. Alors certes, le ratio n'est pas du tout le même par enquêteur, et heureusement, une fois de plus, mais nous constatons, nous, procureurs de la République, que tous les jours, hein, pour ma part encore ce week-end, on hésite à saisir la police judiciaire parce qu'on n'en a plus la capacité, comme peut-être c'était le cas avant, parce qu'eux-mêmes sont totalement débordés. Donc en étant débordés, eux aussi, c'est pas comme ça qu'on réussira à renforcer la filière judiciaire de la sécurité publique. Donc on est très attentif à tout projet de réforme. On a listé 5 lignes, non pas rouge, comme c'est une formule à la mode aujourd'hui, mais en tout cas 5 grands principes sur lesquels nous avons déjà communiqué, donc il n'y a pas de surprise là-dessus, en disant que nous estimons que toute réforme qui porte sur les missions de police judiciaire dans un état de droit démocratique doit respecter les impératifs d'efficacité, d'indépendance des investigations et de protection des libertés individuelles, lesquelles notamment comportent 1. Le respect de la séparation des pouvoirs entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. C'est toute la question aussi de la place du préfet au sein des départements, puisque cette réforme se veut départementale. Quelle place est réservée au préfet dans le cadre du fonctionnement au quotidien de la DDPN? Il y a les principes et puis il y a la réalité de terrain. 2. La préservation des secrets des investigations, y compris à l'égard de l'autorité administrative, avec la proximité tout à fait normale, naturelle qu'il y a entre un DDSP, un DDPN demain et le préfet, et c'est la difficulté dans laquelle pourrait se trouver le DDPN à certains égards. 3. Le libre choix du service d'enquête par les magistrats du parquet ou les juges d'instruction. 4. Le maintien et le renfort des services d'enquête spécialisés interrégionaux pour lutter contre la criminalité organisée et les atteintes à la probité. Si ce n'est pas la DTPJ, si ce ne sont pas les DTPJ, il va bien falloir qu'on nous assure, et ça rejoint ce que vous nous avez dit, monsieur le député, tout à l'heure, et un certain nombre d'engagements,
sur le sur le, ce que peut dire le monsieur ministre de l'Intérieur, c'est évidemment tout à fait important. Après, nous, on applique les textes, donc on verra ce que diront les textes. Hein. On est des magistrats et il n'y a que les textes qui comptent au final. Hein. Cinq, le renforcement très substantiel, et je l'ai suffisamment développé, le renforcement très substantiel des moyens humains pour la filière judiciaire, mais aussi de la formation et de l'encadrement des effectifs de la police nationale consacrés donc aux investigations judiciaires, notamment pour la petite et la moyenne délinquance. Pour terminer, on a quelques solutions qu'on a envisagées. Là, je vais juste les citer et je ne vais pas les développer. On y reviendra si vous le souhaitez. On estime qu'il y a quand même des situations envisageables pour essayer d'améliorer la situation, qui va peut-être au-delà de la réforme sur laquelle vous travaillez. C'est un, réduire le nombre de procédures nouvelles, c'est-à-dire limiter les flux entrants, bon, par la réduction de la délinquance. Et comment on réduit la délinquance? Bah, par le développement de politiques de prévention et de lutte contre la récidive. C'était je vous ai parlé des 10 propositions du ministère public. La proposition numéro 5 de la CNPR de novembre 2001 s'appelait « S'attaquer aux causes de la délinquance plutôt qu'en subir les effets ». S'attaquer aux causes de la délinquance, c'est effectivement faire un vrai travail de prévention auquel les procureurs de la République travaillent au quotidien, là aussi. Plus d'un tiers de nos réponses pénales sont des alternatives aux poursuites qui sont avant tout des modalités de prévention de la délinquance qui s'intègrent dans des... et la loi prévoit d'ailleurs que nous avons des missions à ce titre. Deuxièmement, le renforcement de l'efficacité de la répression pénale. Bah, pour avoir une délinquance qui baisse, il faut être meilleur contre les délinquants. Et pour être meilleur contre les délinquants, il faut que notre procédure pénale soit plus efficace et que notre répression pénale soit plus efficace, mieux ciblée peut-être, etc. Mais en tout cas, qu'elle soit plus efficace. Et donc, nous appelons notamment à sa simplification, proposition numéro 3 de la CNPR, efficacité et simplification de l'enquête de la procédure pénale. Je crois que ça, c'est un chantier qui est devant nous et nous y prendrons toute notre part. Troisièmement, par la réduction du périmètre du champ pénal, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la problématique de la pénalisation de la société, nous appelons à sa dépénalisation, et on a appelé cette proposition dépénaliser pour mieux sanctionner. On n'est pas des bisounours au ministère public, on sait que la société est compliquée et qu'elle nécessite des réponses pénales, mais si on veut être efficace, peut-être qu'il faut, et si on veut mieux sanctionner, peut-être même plus sanctionner, il faut dépénaliser un certain nombre de points. L'autre possibilité pour réduire les stocks, c'est renforcer substantiellement les capacités de traitement des procédures judiciaires au sein de la police nationale. Pour ça, on l'a déjà dit, l'augmentation importante du nombre et la qualité des policiers affectés au métier de police judiciaire. Or, il se trouve que notre proposition numéro 4, c'était pas de justice pénale sans enquêteur. Et enfin, trois petits points. Rééquilibrage des effectifs de la police nationale, on en a déjà parlé, entre ceux qui sont affectés aux missions de police judiciaire par rapport à ceux qui sont affectés aux autres missions de la police, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. La doctrine d'emploi actuelle, telle qu'elle est affichée et qui est une décision politique que nous respectons, mais qui a des conséquences en positif et en négatif, c'est la doctrine d'emploi actuelle, telle qu'elle a été en tout cas affichée récemment, c'est 65% des effectifs affectés à la sécurité publique, en tout cas le bleu dans la rue, 65%, et 35% le reste. Et d'ailleurs, j'aimerais bien voir ce qu'est le reste, si réellement les 35% font effectivement du judiciaire. Donc on demande un rééquilibrage. Pour le retour dans les commissariats de sécurité publique d'officiers en capacité de former et d'encadrer les enquêteurs, la question de l'encadrement est fondamentale. Aujourd'hui, on pourra vous donner des illustrations. Si vous venez dans une permanence du parquet, les OPJ, les APJ nous appellent pour savoir en réalité que faire, comment faire, alors parce qu'il n'y a plus d'encadrement comme ça existait il y a encore quelques années pour un peu orienter, diriger. Donc le substitut, il est en lien direct avec le policier, il va dire bah oui, il faut faire une perquisition, oui, il faut entendre tel témoin, oui, il faut faire telle réquisition, etc. Et enfin, le rôle et le statut de la police municipale à revoir, mais ça j'en ai déjà parlé il y a un instant, et qui était aussi intégré dans la proposition numéro 4 des procureurs de la République. Pour terminer, la conséquence de tout ça, monsieur le député, mesdames et messieurs les députés, c'est aussi, si vous arrivez à faire tout ça, si nous arrivons collectivement à faire tout ça pour le bien de nos concitoyens, ne pas oublier que tout ça est une chaîne. Beaucoup disent que la chaîne pénale n'est pas une bonne formule, ça m'est égal, on l'appelle comme on veut. Mais en tout cas, si on arrive à vider les 1 555 000 procédures qui sont en stock, il va falloir
beaucoup, beaucoup de magistrats du parquet pour les traiter, des fonctionnaires affectés au parquet et des juges pour juger ceux pour la petite partie que nous ferons juger, parce que aujourd'hui, il y a 2/3 des procédures à peu près, hein, qui sont traitées quasiment intégralement par le seul parquet. Donc, voilà. Et ça rejoint la proposition numéro 2 de la CNPR qui s'appelle « Donner enfin au parquet français les moyens que notre pays mérite ». J'ai terminé les propos liminaires, peut-être un peu trop longs, vous m'en excuserez. Non, non, merci, monsieur le procureur, monsieur le président. Je ne sais pas si vos collègues veulent compléter tout de suite les propos qui ont été, si vous voulez qu'on enchaîne la discussion. Même si je suis sûr que le procureur de Dieppe a un autre avis sur la police municipale, mais ça, ça tient aux spécificités locales des uns et des autres. Vous avez... Bon, dresser un tableau qu'on connaît, et je vois que vous n'avez pas changé substantiellement d'avis depuis les annonces du ministre de l'Intérieur, qui sont censées être rassurantes quant à un certain nombre de propositions qui sont faites. Je pense notamment à le fait que le DDPN soit évalué par les procureurs de la République. Est-ce que là-dessus, ça, c'est un plus, on prend, mais ça ne va pas changer substantiellement les choses? Ou alors si, c'est un apport significatif sur le fait que l'échelon zonal soit consacré et qu'il y ait des moyens qui restent alloués. Vous dites qu'à la fin, ce sont les textes qui font foi et qui s'appliqueront. Que savez-vous aujourd'hui de là où ça en est, de ces futurs textes, de comment vous pourrez saisir tel ou tel service enquêteur, notamment l'échelle zonale? Enfin voilà, tous ces éléments hyper d'actualité, en l'occurrence, dans le suivi de notre mission. J'aimerais avoir vos positions respectives là-dessus. Alors, sur la question de l'évaluation du DDPN et la participation des procureurs ou du procureur à chaque fois, évidemment, nous y sommes extrêmement favorables. Il faut nuancer un petit peu le caractère novateur de cette éventualité en rappelant que dès aujourd'hui, le procureur du département ou celui près le tribunal siège de préfecture effectue la notation du DDSP ou du commandant de groupement S-qualité d'officier de police judiciaire. Alors évidemment avec un caractère un peu artificiel, parce que c'est compliqué d'évaluer une activité de police judiciaire d'un militaire ou d'un fonctionnaire qui n'est pas chargé de faire de la police judiciaire dans le concret des choses au quotidien. Cela dit, on fait cet exercice. La question essentielle, donc en fait, pour répondre à votre question, oui, nous sommes évidemment demandeurs. Après, pour que ça pèse vraiment, il faudra que l'évaluation ait une influence, en bien ou en mal, sur le déroulement de carrière de l'intéressé. Si ça reste une évaluation un peu formelle, comme nous avons parfois le sentiment que sont les évaluations S-qualité d'OPJ aujourd'hui, qui nous demandent malgré tout un gros travail, parce que chaque année, il faut évaluer, alors c'est une année sur deux, une année police, une année gendarmerie, mais enfin, il faut évaluer des cohortes d'officiers de police judiciaire, avec une vraie interrogation sur la question de savoir si ça a des conséquences, y compris en bien quand on veut bien noter quelqu'un qui a fait son boulot de manière particulièrement dynamique et efficace, ou le cas échéant, en moins bien quand on a à pointer du doigt que ça ne va pas. Voilà. Donc oui, bien sûr, on est très ouvert, très favorable à cette éventualité, à condition que derrière, ça se traduise par des effets concrets. Sur la question de l'échange journal, tu veux répondre? Juste aussi peut-être pour compléter par rapport à l'évaluation du DDPN, donc l'évaluation elle aura un intérêt si elle est réalisée par les procureurs et si elle porte effectivement sur la filière investigation. État des stocks, état d'avancement des procédures, puisqu'en plus on est limité de plus en plus sur la poursuite des enquêtes préliminaires. En gros, il faudra rendre des comptes d'une certaine façon. Sinon, effectivement, la perte de l'investigation et le suivi de l'investigation, la direction de la police judiciaire par le procureur de la République, elle risque d'être affaiblie. On n'est pas juste sur une notation par rapport à « il fait bien son travail, il parle bien avec nous », mais aussi, effectivement, est-ce qu'il est en capacité de rendre compte sur l'état des stocks? L'état des stocks de la petite délinquance, de la délinquance intermédiaire, et ensuite, justement, par rapport à cette direction zonale, rendre des comptes à un directeur zonal de police nationale sur l'échelon, le haut du spectre, la criminalité organisée. Là où, à un moment donné, il était effectivement... décrié, en tous les cas critiqué, les craintes avaient été émises sur l'échelon départemental,
c'est parce que tout le monde s'accorde à dire, pour dire que la délinquance locale, qui n'a pas de lien avec un autre département et qui n'a pas de lien, une ramification avec éventuellement un niveau supérieur national, européen ou international, c'est fini en réalité. Hein. Donc oui, avoir le petit dealer de rue qui n'a aucun lien avec quelqu'un qui va fournir les stupéfiants et qui éventuellement a un lien avec un port d'attache pour avoir les stupéfiants, qui a un lien avec quelqu'un qui organise des vols en bande organisée de véhicules pour pouvoir financer l'acquisition de stupéfiants, qui est en lien avec quelqu'un qui se procure des armes en Europe de l'Est. Oui, alors effectivement, tout le monde l'écrit, mais est-ce qu'on travaille dessus? Et là, on peut dire, oui, on travaille sur le petit dealer de rue. C'est le volet local. Et le volet départemental, on va travailler sur le dealer de rue de Creil, qui est en lien avec celui de Compiègne, qui est éventuellement en lien avec celui de Beauvais, parce que oui, ça circule. Mais au-delà de ça, effectivement, cette dimension est sur la direction zonale. Et c'est en ce sens-là où les craintes, peut-être, maintenant, sont apaisées d'une certaine manière. C'est parce que vous avez un des DPN qui devra rendre compte d'une certaine façon, à son procureur, à ses procureurs, et également au directeur zonal, pour voir si cette coordination, cette coopération, finalement la circulation d'informations qui manque, hein, elle est effective. Nous sommes favorables totalement à l'évaluation des DDPN, hein, ça on vient de le dire, mais avec quel poids et pour évaluer quoi? Et notamment, est-ce que cette évaluation sera l'évaluation de la mise en place de la politique pénale que nous aurons décidée dans nos ressorts, et pas uniquement des autres critères de capacité de mise en œuvre de politique administrative ou celle préfectorale, ou celle qui est un peu à cheval et qui pose question du nombre d'AFD qui ont été ordonnés, du nombre de contrôles rodéo, etc., etc., où on est à cheval entre le judiciaire et le... très à cheval sur le judiciaire et sur l'administratif. Donc oui, pourquoi pas, ça peut être qu'une bonne chose, mais si on ne fait pas semblant, si c'est des vraies évaluations et si elles ont un vrai poids dans la carrière des DPN, ce serait déjà un progrès. Sur la question de l'échelon zonal. Oui, c'est quand c'est un point rouge. Sur la question de l'échelon zonal, c'est évidemment une perspective heureuse que cet échelon soit maintenu. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. C'est extrêmement compliqué quand vous êtes procureur près un tribunal ordinaire, j'entends par là non GIRS, d'obtenir qu'un dossier soit pris en compte par un office central ou même par une entité zonale. La plupart numériquement des procureurs de France et de Navarre ne peuvent prétendre aujourd'hui, et la question c'est est-ce qu'il en ira de même ou pas demain, que solliciter des services, des antennes police judiciaire. Et bien souvent, nous constatons même que les antennes de police, enfin maintenant on appelle ça les services de police judiciaire, donc dans la mouture actuelle, hein, travaillent pour le procureur local, pour le parquet local. À titre d'illustration, en Seine-et-Marne, nous avons trois tribunaux, Fontainebleau, Melun et Meaux. Il y a une antenne du service interrégional de police judiciaire de Versailles à Meaux. Ce service, je sais qu'il travaille quasi exclusivement pour mon parquet. Je pense que si vous interrogiez mon homologue près le tribunal de Melun, il vous dirait que c'est compliqué de faire venir la PJ, et que vous dirait mon homologue près le tribunal de Fontainebleau. Pour avoir été, moi, pendant 5 ans, procureur d'un très petit tribunal comme Soissons, c'est extrêmement... En 5 ans, je n'ai jamais réussi, jamais, c'est à prendre au pied la lettre, ce que je vous dis là, à confier un dossier au service de police judiciaire dont nous dépendions territorialement. Voilà. Et aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Voilà, si vous n'êtes pas GIRS, et les GIRS, il y en a 9 en France, et on sait qu'elles ont vocation à traiter le très haut du spectre, parce que comme on est sur un spectre de délinquance extrêmement élevé, extrêmement sophistiqué, ces grands consommateurs d'enquêteurs qui doivent bosser H24 sur des dossiers pendant des semaines et des mois, de manière parfois assez spéculative, en espérant d'arriver à lever un lièvre, hein, qu'on n'est jamais totalement sûr de trouver, et effectivement, les
les services de direction des niveaux zonales, ils prennent en compte un ou deux dossiers simultanément et pas trois ou quatre. Et quand c'est des dossiers GIRS avec des dimensions internationales, les trafics de stupéfiants sur plusieurs états, etc., des écoutes en direct qui se comptent par dizaines, avec des téléphones portables qui changent toutes les semaines, ils bossent pour le parquet GIRS et puis c'est tout. Ils ne peuvent pas venir prendre en compte des dossiers de parquet infra-GIRS qui sont extrêmement majoritaires dans notre pays. Sur votre question de savoir si nous avons eu des informations précises sur l'évolution textuelle, par définition, je pense qu'on en sait moins que vous. C'est-à-dire que nous, on est sur le terrain, on applique les textes qui sont les nôtres, et puis avant de venir vous voir, on essaye de voir où ça en est au niveau des travaux parlementaires. Donc la seule chose qu'on a comme information, c'est ce qu'il y a dans les travaux de la commission mixte paritaire du 2 décembre, si mes souvenirs sont bons. Donc avec le principe, si on a bien compris, qui serait, après adoption définitive, qui serait celui d'une départementalisation, avec les réserves qu'on examinera avec attention sur ce qui a déjà été évoqué, sur le zonal, sur la préservation d'un certain nombre d'impératifs qu'on a déjà cités, l'impartialité des enquêteurs et leur capacité à faire aussi du supradépartemental, parce que ça se saurait si la délinquance s'arrêtait aux frontières du département. Oui, pour compléter peut-être sur les échelons d'investigation, je rejoins tout à fait ce qu'ont pu indiquer les collègues en illustrant avec une situation connue à Dieppe, où à une reprise, la brigade mobile de recherche zonale de la police aux frontières a pu intervenir au soutien d'un dossier en mettant à disposition un nombre conséquent d'enquêteurs permettant d'identifier, interpeller une filière de passeurs depuis l'heure jusqu'au transmanche de Dieppe en 15 jours. Mais c'était effectivement la seule fois où la BMR de Rennes a pu se projeter. On comprend bien qu'une zone a 450 km, 5 heures de voiture, elle choisira forcément les enquêtes dans lesquelles elle peut être associée, quand bien même le procureur la sollicite. En ce sens, un échelon encore intermédiaire au-delà du département au niveau régional, avec la configuration actuelle, par exemple, d'une DTPJ à Rouen, qui est capable de se projeter sur deux départements, répond au moins un certain nombre de besoins judiciaires. Je vais laisser la parole à Marie Guévenoux, qui l'a demandé. Elle devrait apparaître sur nos écrans. La voilà. Est-ce que vous m'entendez ? Parce qu'il y a un petit décalage de connexion. Impeccable. Ouais, non, c'est bon. Okay. Merci à tous pour vos propos très clairs et très complets. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter mes excuses parce que je suis à distance aujourd'hui alors qu'il aurait été prévu initialement que je sois à vos côtés. Donc vraiment navré pour ça. Moi, j'aurais aimé revenir et je vous serais reconnaissant de nous passer les propositions, les 10 propositions que vous avez émises en amont de la campagne présidentielle. J'avoue que moi, je n'en ai pas pris connaissance. Je serais heureuse de les avoir avec le développement qui convient. J'aimerais revenir sur deux d'entre elles, de façon à ce que vous soyez peut-être plus explicite. Vous avez évoqué la réduction du champ pénal dans la LOPMI, dans le projet initial du projet de loi. Il était question notamment d'élargir le champ d'infraction couvert par les AFD. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui allait dans le sens des propositions que vous avez émises, ou qui, en tout cas, sans que ce soit les propositions que vous aviez émises, est-ce que ça allait dans le sens de ce que vous souhaitiez ? Deuxième question que je voulais vous poser, c'était le rôle et les statuts de la police municipale, sur lesquels nous avez invité à vous interroger. Là aussi, si vous pouviez être un peu plus explicite sur, au fond, quel pourrait être le rôle de cette police municipale, au vu du retour qui est votre expérience, qui est la vôtre. Voilà, merci. Alors, sur les 10 propositions, Madame la députée, nous pensons que la réduction du champ pénal, il doit y avoir une réflexion, parce qu'on ne peut pas ne pas... nous, les procureurs, s'inquiéter de cette propension de la société à générer la norme pénale. Et au-delà de la norme, vous savez qu'aujourd'hui, ça n'est pas leur faire critique, parce qu'en fait, aujourd'hui, chaque ministère peut, au gré de sa législation, produire une infraction pénale
sans forcément consulter la chancellerie, ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois que on ne sait pas répondre à la question combien y a-t-il d'infractions pénales dans notre pays. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle les natins, c'est-à-dire que chaque infraction pénale répond à un code chiffré à 5 de 4 à 5 chiffres. Et on va jusqu'à 25 000, mais je crois que le pôle compétent de la chancellerie est assez humble en disant qu'ils ne sont pas du tout certains d'avoir recensé la totalité des infractions, puisque vous pouvez avoir très bien le ministère de la Santé qui, dans un décret, va créer une infraction de cinquième classe et puis omettre, prévient la chancellerie. Et donc on est, voilà. Alors que par ailleurs, quand on regarde le nombre de condamnations prononcées et le type de condamnation, on s'aperçoit qu'en fait, on travaille au quotidien avec peut-être 50, 100 ou 200 natinfs. Les violences, les vols, l'escroquerie, alors on décline un peu avec les circonstances aggravantes. Donc c'est vrai qu'un viol, par exemple, il peut y avoir au moins une dizaine de natinfs différents. Donc on est en viol, je mets beaucoup de guillemets avec le terme, pardon, c'est au sens juridique simple, ou un viol avec circonstances aggravantes. Il va y avoir un natinf pour la circonstance aggravante quand c'est le conjoint, un natinf quand il y a eu des actes de torture et barbarie. Donc il peut y avoir énormément de natinfs pour appréhender ce qui fondamentalement est un même fait criminel. Voilà, pour vous donner, nous, la difficulté que nous avons, c'est que, en fait, en pratique, il y a déjà une forme de dépénalisation de fait. Par exemple, sur un contentieux qui est l'objet des préoccupations, moi, je viens de prendre des fonctions dans mon parquet, donc je vais rencontrer beaucoup d'élus, sur une phase où je rencontre beaucoup d'élus, un des sujets récurrents, le sujet récurrent dont les maires me parlent tous, c'est l'urbanisme. Et le droit pénal de l'urbanisme est considérable dans ce genre d'application. Et en fait, on est en très grande souffrance, en très grande difficulté pour appliquer ce droit pénal, parce que les enquêteurs, ça n'est pas leur fer à front que de leur dire qu'ils n'ont pas forcément la technicité. D'ailleurs, les magistrats du parquet non plus. Il faut bien dire ce qui est. Moi, je n'ai pas l'état d'âme à le dire. Et qu'effectivement, au moment de faire des choix, quand il y a des piles et des piles et des piles de dossiers, les dossiers d'urbanisme ne sont pas, c'est un euphémisme, forcément considérés comme étant prioritaires. Voilà. Donc, effectivement, nous, ce que nous avions plus particulièrement pointé du doigt, Madame la députée, c'est le fait qu'il y a quand même des pans entiers du droit dans lesquels, aujourd'hui, en France, vous avez à la fois des sanctions administratives et des sanctions judiciaires. L'exemple typique, c'est toute une partie du contentieux routier. On s'accordera sur le fait que quand il est question d'homicide involontaire ou de blessure involontaire, la réponse pénale est parfaitement légitime. Est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, je crois qu'on peut inviter à la réflexion sans avoir d'ailleurs des opinions très différentes chez les procureurs sur ce sujet, mais est-ce que la conduite en état alcoolique, qui donne déjà lieu à une suspension administrative, c'est-à-dire que dans un schéma de prise en compte d'une procédure de CEA, conduite en état alcoolique, c'est une intervention de l'autorité administrative dans les premières heures qui va ordonner une suspension administrative souvent de l'ordre de 6 mois, et puis derrière une procédure judiciaire qui va être traitée plutôt relativement rapidement parce que Dieu merci, elle est très formaliste mais relativement simple, mais avec des interventions qui fait que 3 ou 4 mois, dans le meilleur des cas, parfois bien davantage, plus tard, vous allez avoir une décision judiciaire qui va venir pour dire « Ah non, finalement, ce ne sera pas 6 mois, ce sera 5 », ou bien souvent, comme on s'est un peu harmonisé quand même, parce qu'on essaie de faire les choses de manière courante, « Oui, oui, c'est bien 6 mois », sauf qu'on aura repayé un magistrat du parquet, un juge, un greffier, un ou deux fonctionnaires de la justice, pour dire « Oui, oui, ce qui a été décidé par l'autorité administrative, sachant que la décision du préfet est elle-même susceptible d'un recours devant le tribunal administratif. » C'est-à-dire qu'on n'a même pas en plus gagné en disant « Vous pouvez suivre la voie judiciaire, mais pas la voie administrative » ou inversement. Est-ce que la question de la multiplication des AFD répond à la problématique ? Nous avons la faiblesse de penser à la CNPR que la multiplication des AFD est une réponse, une solution politique qui suscite beaucoup de réserves de notre part. D'abord parce que, et ça nous l'avons souvent dit à d'autres parlementaires, à des députés ou des sénateurs, il est indispensable qu'il y ait une réflexion sur le recouvrement des amendes dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, nous, procureurs, nous sommes, de par la loi, rendus annuellement destinataires d'un rapport établi par les directeurs départementaux des finances publiques, puisque c'est l'administration fiscale qui a l'autorité, le pouvoir et la compétence pour recouvrer les amendes. Et en fait, on s'aperçoit que le taux de recouvrement des amendes est extrêmement faible, premièrement. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que plus une amende est prononcée dans le cadre d'un système désincarné, plus le taux de recouvrement est bas. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les compositions pénales, qui sont des mécanismes qui nous permettent, dans le cadre de mesures alternatives aux poursuites, même si c'est assez proche d'une poursuite, parce que c'est inscrit au casier judiciaire, d'obtenir des amendes, parfois sans l'intervention du juge, parfois avec l'intervention du juge, selon le montant, et dont le recouvrement est confié à nos délégués,
En pratique, ce sont des policiers, des gendarmes en retraite. Mais qui sont, pardon de le dire comme ça, des vrais gens. Le contrevenant, il a face à lui un monsieur, une dame, qui va lui expliquer la décision, qui va le relancer, qui va lui laisser des délais de paiement, parce que moi je dis souvent à mes délégués, je préfère une amende à 200 euros payée à raison de mensualité pendant 6 mois, mais effectivement payée, qu'une très belle amende générée par un radar automatique à 450 euros, mais qui n'est pas recouvrée, et dont le directeur départemental des finances publiques me dit « Ah oui, mais les voies d'exécution forcées me coûtent tellement cher que de toute façon, ça n'est pas rentable pour moi de mettre à exécution pour aller faire payer une amende de 150, 200 ou 360 euros. » Voilà. Et donc ça, c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir si la représentation nationale, et c'est sa responsabilité, et évidemment évident que nous, on prendra la loi telle qu'elle se présente, mais estime devoir élargir le périmètre des AFD, des amendes forfaitaires délictuelles, il faut qu'il y ait cette réflexion, parce que sinon, on va se retrouver avec une dépénalisation de fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on aura des AFD prononcées, mais seront-elles recouvrées? Eh bien, nous émettons de vives réserves sur ce plan-là. Qui plus est, la difficulté, il y a encore deux observations que je voudrais formuler. Il est quand même pas rare, sur les AFD, on va dire, assez techniquement, juridiquement facile à caractériser, que sont le défaut d'assurance ou le défaut de permis de conduire. Moi, je peux vous dire que la jurisprudence qui prévalait dans les juridictions dans lesquelles j'étais procureur il y a encore un mois ou deux, il y a trois mois, ou l'actuelle, vous avez tout intérêt à contester, à aller devant le juge, hein. Parce que le montant de la sanction que vous allez subir sera systématiquement, sensiblement inférieur. Quand on voit que l'amende forfaitaire, c'est 800 euros en matière de défaut de permis de conduire, devant les juridictions, je pense qu'il est raisonnable souvent d'espérer des sanctions moindres. Et donc, c'est vrai que ça attend, une fois qu'on a compris ça, on est susceptible quand même de casser le système. Et le dernier point sur lequel nous émettons des interrogations sur la génération des AFD, c'est que utiliser des AFD, par exemple, pour le délit d'occupation de hall d'immeuble, je le dis sans forfanterie, je crois qu'il n'y a guère d'infractions en dehors, on va dire, des infractions fiscales avec des montages financiers complexes, mais il n'y a guère d'infractions dont les éléments constitutifs et l'élément intentionnel sont compliqués à démontrer autant que dans l'occupation du hall d'immeuble. C'est une vraie inquiétude que de mettre en place une procédure qui se veut basique. Une infraction comme le défaut de permis de conduire, vous consultez le fichier, c'est bon, c'est pas bon. Et l'élément intentionnel, on le sait, ce qu'on appelle le dol général, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Dès que vous basculez dans des infractions qui obéissent juridiquement à des éléments dits complexes, notamment pour démontrer l'intention délictueuse, parce que l'occupation de l'immeuble, ce n'est pas uniquement le fait d'être dans un hall d'immeuble, qui en soi n'est pas une infraction pénale. C'est être dans un hall d'immeuble en empêchant, avec la volonté, d'empêcher les occupants légitimes de pénétrer, etc. Donc on est dans la démonstration d'éléments intentionnels et d'éléments matériels. Il faut souvent démontrer que si vous êtes dans un hall d'immeuble de 200 mètres carrés ou de 50 mètres carrés ou de 30 mètres carrés, l'appréciation de l'infraction n'est pas la même. Et donc vouloir faire traiter ces types de contentieux-là, qui sont, au sens du droit, juridiquement parlant, complexes, par une infraction, par un mode de procédure qui soit très simplifié, à mon avis, ça peut porter à difficulté assez rapidement. Oui, donc pour ajouter et pour compléter le propos de Jean-Baptiste Bladier, effectivement, la réduction du champ pénal, finalement, ce n'est pas du tout l'AFD. On peut comprendre qu'on est plutôt sur une sanction administrative, autorité préfectorale qui est déjà donnée. Et quel est l'intérêt, finalement, d'avoir une sanction judiciaire en plus? Bon, tout simplement. L'AFD, elle a un effet pervers. À l'origine, l'AFD, l'amende forfaitaire délictuelle, le but, c'était de pouvoir réprimer des infractions qui ne l'étaient plus, pour un principe très simple de crédibilité de la loi pénale. Je prends l'exemple de l'usage des produits stupéfiants. Clairement, un an d'emprisonnement encouru pour usage, je ne me souviens plus exactement de la peine d'amende encourue, on n'incarcère pas un an un usager de stupéfiants, on est d'accord? Bon, pardon ? On en a déjà pas mal. On les a déjà. Mais oui. Mais l'idée, c'était ça. On ne réprime plus, on ne sanctionne plus, alors que la loi pénale prévoit, donc le législateur a prévu des sanctions. Est-ce bien cohérent ? En réalité, la difficulté qui va se poser, c'est que lorsque vous voulez étendre à un maximum l'AFD, à des infractions qui sont déjà poursuivis, poursuivables et réprimés, ça n'a pas forcément d'intérêt. Le gain en effectif d'effet-ci, de temps enquêteur qu'on souhaite au départ obtenir,
Et en réalité, avec le problème du taux de recouvrement, vous ne l'avez pas forcément. Les problèmes d'identité relevés sur la voie publique, parce que c'est sur procès-verbal électronique. Hein. Donc ce sont des identités qui parfois ne sont pas forcément vérifiées. Le taux de contestation, voilà, ça pose différents problèmes. Autre problème aussi, c'est que là, en voulant faire vite, en voulant faire plus efficace, eh ben, on n'alimente plus nos fichiers de police judiciaire. Ah, bah oui, sur la voie publique. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir prendre les empreintes d'une personne, pour pouvoir prendre sa photographie, pour alimenter le traitement des antécédents judiciaires? Donc pour finalement faciliter le travail d'enquêteur et d'investigation, vous faites comment? Bah vous lui donnez une convocation en lui disant bah revenez donc nous voir au commissariat dans 2 jours s'il vous plaît. Voilà. Sur les CAFD, si j'ai bien compris le sens aussi de votre question, madame la députée, c'est par rapport aux possibilités de limiter le flux entrant. Par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc, si l'idée, c'est de limiter le flux entrant par les AFD, nous, on constate qu'effectivement, il y a une baisse d'activité en termes de suite judiciaire pour, par exemple, les usages de stupéfiants, alors que les usages de stupéfiants font partie des infractions qui sont en forte augmentation. Et donc, les AFD, là-dessus, ont rempli, si j'ose dire, leur rôle en sanctionnant davantage les usagers de stupéfiants. Après, avec quelle qualité de réponse? Pourquoi je dis que nous, on constate que cette baisse, c'est parce qu'en général, les usages stupéfiants, notre réponse pénale, à laquelle on essaie de donner du sens, elle s'attaque là aussi aux causes. On ne s'attaque pas au porte-monnaie tout de suite, même si notamment on ordonne des stages de sensibilisation aux stupéfiants qui sont payants, et donc il y a une petite partie du porte-monnaie qui va jouer. Mais surtout, on va essayer de sensibiliser les usagers aux difficultés que cela va entraîner par les addictions, par la perte sociale, enfin, toutes les conséquences néfastes des stupéfiants. Or, il se trouve que, je crois pouvoir parler pour beaucoup de juridictions, nos stages sont en baisse, nos alternatives aux poursuites sont en baisse. Si c'est le résultat qui est recherché, là-dessus, il a été en partie rempli. Sauf que, est-ce que celui qui a une amende, il va moins prendre usage de stupéfiants, enfin, moins consommer de stupéfiants? J'en sais rien, pas plus que d'ailleurs je serais suffisamment prétentieux pour dire qu'après un stage de stupéfiants, il aura arrêté les stupéfiants. Mais au moins, on les aura orientés, parce qu'il n'y a pas que les stages, on les oriente vers les XAPA, on les oriente vers les services d'addictologie, et ces services-là nous disent que, alors que les services médicaux, psychomédicaux, ils ne sont pas forcément très favorables à travailler main dans la main dans la justice, avec la justice, c'est moins qu'on puisse dire, et c'est bien normal, le secret professionnel, mais ils constatent que ce point d'entrée pourrait être fondamental, parce que c'est toute une population qui ne viendrait jamais d'elle-même, et donc ça permet de faire un premier message de prévention, et si, ma foi, on récupère la personne, eh bien, elle est interpellée. Le problème de l'AFD, interpellé et d'autres fuites judiciaires. Le problème de l'AFD, c'est qu'il n'y a même pas d'antécédents judiciaires. On pourrait faire autant d'AFD que vous voulez. Alors, on a vu les nouveaux textes, on ne les a pas encore examinés totalement, puisqu'ils ne sont même pas encore adoptés, de la CMP. Mais on a vu que ça prenait une ampleur phénoménale en termes de nombre d'infractions, y compris des infractions extrêmement techniques. Et oui, on est préoccupé. Juste pour terminer sur les AFD, par rapport à la question qui nous occupe aujourd'hui, en quoi ça a rapport avec la DDPN? Aujourd'hui, on le constate, hein, quelles que soient les instructions qu'on a données pour les AFD, c'est pas les instructions de politique pénale qui sont prédominantes dans l'action de la police et de la gendarmerie. Hein. C'est celle de les statistiques qui doivent rendre 2 fois par semaine pour savoir combien d'AFD ils ont fait dans. Et ce n'est pas à nous qui rendent compte, c'est à l'autorité administrative. Hein, de combien. Est-ce que c'est encore du judiciaire? Est-ce qu'on est encore dans le judiciaire? Alors même, oui, il y a une infraction pénale. On sanctionne une infraction pénale. Qui la sanctionne? Le policier qui l'a constaté? C'est lui qui devient le policier, le procureur et le juge. Il sanctionne, il décide. Alors quand on parle effectivement des halls d'immeubles, et ça, je renvoie aussi la responsabilité à tout le monde, hein, y compris, si je puis me permettre, aux parlementaires. Si le choix, c'est de déjudiciariser, puisque c'était le sens de la question, de déjudiciariser un certain nombre de comportements, eh bien, sortons du judiciaire. Ne faisons pas un faux judiciaire qui n'en est pas un. Dépénalisons, faisons de l'administratif, des sanctions administratives, et pourquoi pas l'usage de stupéfiants, j'en sais rien, je ne suis pas un partisan du tout de la dépénalisation, pour bien des raisons, celles que j'ai exposées, on pourrait les exposer bien longuement aussi, et la principale, ça permet quand même d'essayer de s'attaquer aux causes auprès des usagers stupéfiants.
Mais si c'est ça le choix, bah, faites-le, mais allez jusqu'au bout. Surtout, ce qui nous préoccupe, c'est qu'avec ce système-là, on a porté atteinte à des principes qui sont quand même des principes particulièrement fondamentaux pour notre démocratie. Il y a ceux qui enquêtent, il y a ceux qui constatent une infraction, il y a ceux qui contrôlent, qui poursuivent, et il y a ceux qui jugent. Et il y a la personnalisation des peines. Tout ça, l'AFD passe outre pour des tas de raisons. Alors ça nous préoccupe parce que quand on voit que les nouveaux textes, maintenant, c'est aussi les ports d'armes de catégorie D, si j'ai bien lu le texte, c'est aussi toutes les dégradations, destructions, c'est colossal. Toute une série d'infractions techniques qu'on a commencé à lire, les chiens d'attaque, etc. Mais pourquoi pas ? Il pourra faire de l'administratif, effectivement. Mais pourquoi pas ? Mais bah, aller jusqu'au bout de la logique, dépénaliser. Et derrière, il n'y aurait pas aussi cette difficulté de nous, procureurs de la République, de faire semblant, parce que c'est la réalité aujourd'hui, de dire « Ouh là là, moi, je suis procureur de la République de Béziers, je suis responsable de la politique pénale sur les usages stupéfiants dans mon ressort. » Bah, pas pour les AFD. Il se trouve que les AFD dans l'Hérault, c'est 57% des poursuites d'usage stupéfiant. Il se trouve que les AFD stupéfiants sur l'ensemble de la zone sud, c'est 70%. Bon, bah, quand on a 70% de réponses pénales dans toute la région Grand Sud qui sont en réalité à la main de l'autorité administrative, hein, sur les instructions qui sont données par les préfets, bah, c'est plus de la procédure pénale, en tout cas c'est plus de la politique pénale. Je me permets un complément sur les AFD, même en matière d'usage de stupéfiants, parce que c'est intégré en fait dans un équilibre des investigations judiciaires. Le fait de procéder à des amendes forfaitaires délictuelles pour l'usage de stupéfiants coupe aussi, prive de toute une partie de renseignements qui d'habitude permettent d'ouvrir des enquêtes préliminaires, d'initier des investigations. Parce que dans ce genre d'infractions, les infractions de la législation sur les stupéfiants, le renseignement et l'information en fait est quand même essentiel pour identifier, démanteler les réseaux. Donc chaque procureur a pris des instructions pour fixer les taux, les seuils par lesquels il accepte ou non le recours à l'amende forfaitaire délictuelle. Et forcément, compte tenu des spécificités locales de chaque ressort, ces taux divergent d'un parquet à un autre. Pour répondre à votre question, Madame la députée, concernant les polices municipales ou la notion de police municipale, pour être parfaitement honnête, c'est un sujet sur lequel la conférence n'a pas encore eu l'occasion de construire sa doctrine en profondeur. Ce qui est certain, c'est que ce que nous avons essayé de dire au travers de la prise de parole de notre président Raphaël Balan, c'est qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de ressorts, c'est aussi compliqué d'avoir une vision globale de la problématique par hypothèse, les polices municipales sont devenues des acteurs majeurs de la sécurité, mais aussi de la procédure judiciaire, dans la mesure où ils sont, dans de très nombreux cas, à l'origine des interpellations. On va le dire comme ça, même si juridiquement, ça n'en est justement pas une interpellation. C'est bien le problème, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, le policier municipal, il intervient sur la même base textuelle et juridique que si le commun des mortels le fait, parce qu'effectivement, vous voyez quelqu'un dans la rue qui maltraite sa femme, et vous allez intervenir, et puis l'appréhender en appelant la police. Bon, le policier municipal le fait avec la même base textuelle, ce qui, évidemment, pose difficulté. Et c'est là-dessus que nous appelons de nos voeux une réflexion. Alors, sauf erreur de ma part, il y avait un projet de loi ou une proposition de loi, j'avoue ne plus savoir, qui avait été adoptée en ce sens. Et puis il y a eu l'examen du Conseil constitutionnel qui est venu dire à l'évidence, enfin c'est facile de le dire après coup, vous me direz, mais en tout cas, toujours facile d'être donneur de leçons. Donc je vais, voilà, j'enlève le à l'évidence, mais simplement qui est venu souligner que l'accroissement que prévoyait ce texte des prérogatives de la police municipale n'était pas accompagné, dans mes souvenirs, hein, j'ai plus le souvenir exact du texte, mais du fait qu'il fallait accroître le rattachement de la police municipale, ou en tout cas son exercice, au parquet, ou en tout cas au contrôle de celui-ci, puisque si on fait de la police judiciaire encore dans ce pays, en tout cas, c'est sous le contrôle du ministère public. Voilà. Donc c'est sans doute une réflexion à avoir. Nous, pour le coup, on ne peut que se satisfaire que ce principe ait été rappelé. Mais en tout cas, voilà, on a une conviction. Bon, évidemment, là, on est le hasard. C'est vraiment le hasard, je vous prie de le croire, qui fait que Béziers, Compiègne, Meaux sont des communes dans lesquelles les polices municipales sont très importantes. Numériquement, qui s'appuie souvent sur des dispositifs de vidéo surveillance ou protection extrêmement développés.
Et aujourd'hui, en tout cas, moi, je suis à Meaux depuis 3 mois, je peux que témoigner du fait que je crois qu'on doit avoir 180 ou 200 policiers à Meaux, et donc c'est quasiment plus que de policiers nationaux. Donc c'est forcément des acteurs qui sont partie prenante du dialogue entre institutions sur la sécurité publique, mais pas seulement. Bon, moi, j'ai maintenant dans ce qu'on appelle les GLTD, c'est-à-dire les groupes locaux de traitement de la délinquance. En gros, c'est des entités informelles mises en place par les procureurs pour traiter des problématiques de délinquance concernant une zone précise. Les polices municipales ne peuvent pas ne pas être présentes parce que, encore une fois, c'est elles qui font l'essentiel des interpellations. Voilà. Pourquoi on en parle dans cette enceinte par rapport à ce sujet de la DDPN ? C'est pas pour dire il faut parler de la police municipale. C'est parce que si on a une approche qui est départementale de la gestion des différentes filières, et notamment la filière judiciaire. Si on n'intègre pas l'action des polices municipales dans cette problématique, on passe à côté d'un pan très important. Très important. Puisque c'est ce qui alimente les commissariats de police, une fois de plus. Une fois qu'on... L'appréhension, puisque c'est le terme juridique fait par la police municipale, et ce qu'ils appellent après des mises à disposition... Maintenant, c'est devenu un terme usité facilement dans les commissariats, c'est les MAD, combien de MAD, mises à disposition. Elles sont très importantes, et pas que pour Béziers. Et alors là, pour le coup, c'est rien de politique, mais je constate aussi que on peut en penser ce qu'on veut de la police municipale, de telle ou telle commune, de telle ou telle maire, peu importe, mais moi, je constate que l'activité de la police municipale, pour le coup, de Béziers, est fondamentale, en complément de la police nationale pour la sécurisation et la paix sociale de nos concitoyens. Voilà, je le constate. Sauf que le cadre juridique n'est pas du tout adapté à l'importance de cette mission-là. Et pourquoi le deuxième sujet, c'est important avec la DDPN ? Parce que si l'un des moteurs de cette réforme, c'est comment on fait avec pour gérer tous ces stocks. C'est l'analyse qu'on en fait, nous. Peut-être qu'on se trompe, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté aussi, au niveau officiel, en disant on va tirer tout le monde vers le haut avec la police judiciaire, on va faire sorte que tout ça fonctionne mieux. Très bien. Mais si on recherche des effectifs pour faire notamment la répartition des effectifs à laquelle on appelle qu'on appelle nos voeux, c'est-à-dire un rééquilibrage entre le judiciaire et le reste des missions, eh bien, il y a déjà toute une partie de la mission de la police nationale qui, de fait, est pris en compte et assurée par la police municipale, en tout cas par certaines polices municipales. Donc ça, il faut que ça soit évalué, il faut que ce soit intégré, pas que juridiquement, y compris dans cette rééquilibrage des effectifs. Parce que si la police municipale fait une partie du travail de la police sur la sécurité publique, on nous dit c'est très bien, pourquoi pas, c'est pas à nous de le décider. Par contre, il faut que nous, on ait des enquêteurs. On a besoin d'enquêteurs. Et on les a pas, en tout cas de manière insuffisante. Merci pour vos avis respectifs. Justement, pour revenir sur la filière investigation et le dernier déplacement qu'on a fait avec la co-rapporteure Marie Guévenoux, c'était à Chambéry. Et là-bas, vos collègues sont contents. L'expérimentation se passe bien. Ils font exactement les mêmes récriminations que celles que vous avez faites là. Mais constate qu'il y a, en tout cas dans la personne du DDPN expérimentateur, lui a une appétence pour le judiciaire, pour le préserver, même pour mettre des moyens qui sont objectivement aujourd'hui en sécurité publique pour aider la PJ-IPJ, notamment je pense les présentations pour les déferments, ce qui fait que des enquêteurs de la PJ qui étaient bloqués une journée entière pour amener leur mise en cause, peuvent faire une journée d'enquête en plus, pendant que des policiers qui sont dans le périmètre de sécurité publique vont faire la présentation. Bon. Donc on voit ce qui fonctionne finalement, c'est l'apport de la sécurité publique, le rééquilibrage dont vous parlez, c'est ça qui vient fonctionner. Mais quand même, on nous indique quand même, ça c'était pareil dans l'Oise en l'occurrence, que le fait qu'il y ait concrètement les sûretés urbaines et les sûretés départementales sous le même chef que la PJ, eux, ils voient un apport justement du fait du déficit d'encadrement. Ça y est, on a un chef qui sait, qui pense que c'est important de faire des enquêtes, de bien les faire, de les orienter, etc. Alors bien sûr, c'est pas le chef PJ tout seul qui va correctement pouvoir chefer les troupes sûretés urbaines et sûretés départementales qui sont bien plus nombreuses que ses propres effectifs PJ, mais ils y voient un gain. Donc est-ce qu'il y a des choses de ces expérimentations qu'on peut
qu'on peut conserver sur le fait d'avoir une filière investigation qui se sépare, en tout cas dans le périmètre sécurité publique, soit davantage séparée de la police administrative et attelée à la culture police judiciaire. Une des questions que pose cette organisation, si je puis me permettre, monsieur le député, vous avez dit ça se passe bien et vous avez ajouté il a une appétence pour la police judiciaire. Je me permettrai cette question. Est-ce qu'une réforme qui dépendrait uniquement de l'appétence de celui ou de celle qui est la cheville ouvrière de la dite réforme localement, et est-ce que c'est un gage de pérennité et de pertinence de la réforme? Parce que quid le jour où le DDPN de tel département, il est issu plutôt de la sécurité publique, voire ordre public, avec moins d'appétence pour la police judiciaire. La question, je trouve... un questionnement que suscite chez moi votre interrogation, c'est, et notre préoccupation, elle est la suivante, c'est dans quelle mesure, quelle sera la perméabilité ou non, en termes notamment sur les effectifs, entre les deux missions. C'est-à-dire, si un seul chef égale une seule organisation égale un seul homme, vous devez assurer la sécurisation d'un événement d'ordre public majeur type Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, etc. C'est ça. Vous savez que vous allez consommer beaucoup de TPT pendant la période en question parce qu'en gros, vous allez dire à tous vos troupes que pas de vacances parce qu'il faut être dehors pour sécuriser la voie publique. Et qui ne le comprendrait pas, évidemment. Qui ne le comprendrait pas? Voilà, mais donc forcément, combien de temps auparavant, pendant combien de voies, vous allez devoir envoyer vos agents en congé pour qu'ils puissent être là en juillet-août, et combien de temps vous allez dire, la priorité, c'est de s'occuper de la délinquance de voies publiques, les pickpockets et les revendeurs à la sauvette, parce qu'il faut effectivement que l'espace public le plus accessible soit pacifié pour que l'événement se passe bien et que notre pays renvoie une image dont on soit tous très collectivement fiers. Alors qu'effectivement, il y a une bonne partie de la délinquance qui ne se voit pas. Voilà. Et la difficulté, si vous voulez, pour nous, en fait, c'est que il faut que cette réforme permette que la police continue à traiter aussi ce qui ne se voit pas. Aujourd'hui, nous avons trop souvent des services de police dont les chefs eux-mêmes avouent à peine à demi-mot qu'ils sont en capacité de traiter le flagrant délit. Voilà. Alors, il y a effectivement cette prise de conscience salutaire et qui était indispensable de la réalité de la violence faite aux femmes et aux enfants dans le cercle familial. Donc aujourd'hui, c'est devenu, je pense, une préoccupation portée par tous. Personne ne peut dire que c'était comme avant, même si je vois bien que les chiffres sont de nature à susciter des interrogations de nos concitoyens en disant « Mais pourquoi on continue à avoir autant de femmes qui sont encore tuées alors qu'on nous dit qu'on se mobilise ?» Et c'est un peu désespérant, je pense, pour les enquêteurs comme pour les magistrats, qu'il n'y ait pas de résultat plus visible d'une mobilisation dont je crois vraiment pouvoir dire avec la plus grande honnêteté intellectuelle qu'elle est réelle. Mais c'est aussi... c'est aussi indispensable de pouvoir effectivement aller lutter contre les trafics qui ne s'aperçoivent que de manière très émergente, mais voilà, qui nécessitent de pouvoir en profondeur travailler sur un réseau de cambrioleurs, sur un réseau de les vols de voitures pris isolément. Bon, on peut dire à quelqu'un, bon, on va classer un vol de voiture, vous avez perdu votre voiture, vous avez volé votre voiture, madame, monsieur. Voilà, mais quand derrière, en fait, vous savez que c'est des réseaux qui font des dizaines de voitures par semaine, etc., ça demande un investissement au long cours, parfois un peu spéculatif. On ouvre des enquêtes, on part sur des infos, on espère que ça va fonctionner, on n'est pas certain que ça va fonctionner. Il faut aussi qu'on ait un service, on ait des services de police gendarmerie qui soient capables d'investir, parfois à perte. Vous enquêtez, et puis vous apercevez au bout de 3-4 mois que vous ne les accrochez pas, que vous n'avez pas les éléments qui caractérisent l'infraction. On l'a tous connu comme procureur, on a des espoirs sur des procédures, mais n'empêche qu'il fallait bien tenter le coup, et puis ça ne marche pas une fois, ça marche le coup d'après. Voilà. Et ça, c'est vraiment indispensable. Et la difficulté de l'organisation qui pourrait se dessiner, c'est qu'effectivement, il y ait une tentation d'investir dans ce qui est visible, de mauvaise langue dirait court-termiste. Je trouve que c'est réducteur, parce que pacifier l'espace public, c'est tout sauf absurde comme mission. Je veux dire, on est bien d'accord, hein, c'est indispensable, pacifier la... Moi, on a des enfants, on est tous contents qu'ils puissent traverser la rue en étant serein pour eux. Mais gardons-nous d'une organisation qui ferait qu'on ne ferait plus que cela. Le risque, effectivement, qui a été soulevé par la CNPR et par l'ensemble des procureurs de la République, c'est effectivement, vous avez un DDPN qui va être finalement chef de filière, plusieurs filières, 5 à 6 filières, 4,
Voilà, filière sécurité ordre public, filière PJ, filière frontière immigration irrégulière, filière renseignement, filière soutien. 5. Soutien, on s'en fout ? On s'en fout. Et c'est important. En fait, c'est important. C'est pas une filière métier, mais c'est important. Parce qu'en réalité, sur tous les moyens RH et tous les moyens matériels, ils sont liés aussi à cette filière. Et là, vous vous dites, bah, c'est super, on va avoir un seul et même directeur qui va pouvoir mobiliser les moyens humains et matériels, réunir tout ça et nous faire une vraie filière investigation lorsque j'ai besoin d'enquêteurs supplémentaires, un ou deux, de manière ponctuelle sur une enquête pour avancer plus vite. Et bah, le DDPN, il va me trouver ces deux enquêteurs supplémentaires. Effectivement, on va gagner 2-3 jours, voire même pouvoir sortir la procédure, entre guillemets, pendant le temps de la garde à vue. C'est magnifique, c'est merveilleux. Je vais pouvoir avoir en sécurité publique cette délinquance du quotidien, en réalité, des enquêteurs qui vont pouvoir être formés aux enquêtes sous pseudonyme. Les enquêtes sous pseudonyme, être enquêteur sous pseudonyme, ça veut dire pouvoir interagir avec des internautes sur les réseaux sociaux. Le truc de base, quand même. C'est la délinquance du quotidien. C'est la délinquance, la nouvelle délinquance de voie publique, en réalité. Et vous êtes confronté à un manque d'enquêteurs, voire l'absence totale d'enquêteurs en sécurité publique, formés à faire et même donc habilités à faire des enquêtes sous pseudonyme. Ça, c'est la police judiciaire. La police judiciaire, vous en trouvez un, si vous avez la chance d'en avoir un disponible, qui ne va pas venir en soutien de votre enquête en matière de sécurité publique sur un trafic de stupéfiants, par exemple. Donc l'idée, elle est excellente. L'idée de pouvoir mutualiser tous ces moyens-là pour un procureur, c'est rêvé. Sauf que la garantie, elle est où ? Quelle garantie, moi, j'ai en tant que procureur de la République, à un moment donné, de savoir que ces enquêteurs-là, qui sont mutualisés avec des super moyens et qui vont pouvoir avancer très très vite, vont pas être sur la voie publique à un moment donné parce qu'il va y avoir un manque sur la filière maintien de l'ordre et... Ou les vifs. Oui, alors les vifs, c'est pareil. Sur les violences intrafamiliales, on peut se demander comment est-ce que les choses vont pouvoir être organisées. Moi, je n'y vois pas forcément de réelles difficultés à me dire que je ne vois pas pourquoi un homicide qui n'est pas intrafamilial doit être traité selon le protocole par la police judiciaire. Ah ouais ? Et si c'est un homicide intrafamilial, c'est traité par la sécurité publique ? C'est ça le protocole actuel, hein, entre la répartition. Je vois pas en quoi un enlèvement d'enfant qui a priori relève du cercle familial, normalement c'est la sécurité publique selon les protocoles qui doit gérer cet enlèvement d'enfant, alors qu'on risque d'avoir une alerte enlèvement c'est la police judiciaire, enfin. Sur les protocoles, c'est vrai que la répartition en tant que telle, elle n'est plus du tout efficace. Elle est complètement obsolète, elle est dépassée. On ne réagit plus en fonction de quelle arme a été utilisée. Est-ce que c'est intrafamilial ou pas intrafamilial ? Est-ce qu'il y a un passage frontière ou pas un passage frontière ? Quand on est en zone frontalière, il risque d'avoir un passage frontière. Donc le raisonnement, maintenant, il est obsolète tel qu'il fonde les protocoles. Mais le risque, et en tous les cas, la garantie qu'il faut avoir, c'est que les procureurs de la République, avec le DDPN, s'agissant des filières investigation, la filière investigation, elle doit rester, et les effectifs doivent rester pour investiguer, pour enquêter, et non pas pour être éventuellement employés sur d'autres missions, notamment administratives. Vous savez quoi ? Si la réforme nous disait, voilà, on crée une filière judiciaire, filière investigation, et on sanctuarise un nombre précis d'effectifs, de policiers, de formés, encadrés pour faire du judiciaire. Et on évalue à combien est le besoin, et puis on fait des arbitrages, puisque c'est le rôle de tout responsable, que ce soit politique, administratif, judiciaire. On peut pas tout faire, on n'a pas la possibilité, mais voilà, on fait un arbitrage pour le judiciaire, ce sera temps, après un grand débat. On pèse le pour et le contre, et puis évidemment, après, il y a les aléas du quotidien où il faut tous se serrer les coudes pour faire plus d'ordre public ou faire plus de judiciaire sur du ponctuel. Pourquoi pas ? Moi, personnellement, je signe. Un chef auprès duquel je peux me retourner, des DPN, outre tous les cas qu'on a déjà exprimés, de nécessité de s'adresser à quelqu'un qui est zonal, suprarégional pour faire du grand banditisme, pour faire de la probité, pour faire du gros écofi, etc., etc., les trafics, très bien. Bon, ça, il nous le faut, c'est impératif. Mais pour tout le reste, qui est l'immense masse des procédures que nous traitons, au niveau de la police nationale, un chef qui m'assure, avec son sous-chef, son sous-directeur, entre guillemets, de la filière judiciaire, que j'ai des capacités de gens formés, etc., etc., tout ce que j'ai déjà dit, je signe.
Est-ce que c'est ce que prévoit la réforme? J'en sais rien, j'ai pas l'impression. Ce que je sais, c'est que le DDPN, lui, il va être pris entre le marteau et l'enclume à bien des égards. Le très 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 gros marteau du préfet, la toute petite enclume ou vice-versa du procureur de la République. Et puis, il fera ce qu'il pourra avec les effectifs qu'il a. Le jour où il y aura des retours des gilets jaunes, est-ce que c'est les infractions pour les vols, les escroqueries qui vont mobiliser des policiers ou ce sera le maintien de l'ordre, etc., etc. Donc, qu'il y ait de la souplesse. Et la souplesse que vous avez indiquée tout à l'heure, oui, il y a des bonnes choses, et heureusement, il y a des bonnes choses, ce qui vous a été décrit. J'ai jamais compris pourquoi la police judiciaire perdait effectivement une journée dans les déferments avec les super enquêteurs, entre guillemets, parce qu'ils sont tous super enquêteurs. Hein. Enfin, au quotidien, c'est tous des super enquêteurs, sauf qu'ils ont chacun leurs compétences respectives. Et puis, c'est les super enquêteurs de la PJ, si on leur fait faire des vifs, ils seront plus super enquêteurs du tout, et vice-versa. Donc, je referme la parenthèse. Eux, ils viennent, alors qu'ils pourraient continuer à faire de la crimorgue, des enquêtes de fond sur des dossiers très complexes, bah, ils passent une journée au tribunal pour faire les déferments. Oui, bah, ça, c'est des petits gains, effectivement. Mais est-ce qu'il faut passer par nécessairement ce qui est prévu? J'en sais rien. En tout cas, c'est bien, il faut le faire, c'est une bonne réforme. Mais pour synthétiser mes propos, effectivement, nous, notre préoccupation, et c'est normal, c'est notre commerce, notre fonds de commerce, notre préoccupation, c'est la filière investigation. Si on nous dit on va mettre le paquet pour articuler tout ça, mettre de l'encadrement, mettre des effectifs, bien sûr qu'on signe. Encore faut-il que ça fonctionne comme ça. Dernière, je laisse couper le micro parce que c'est un micro à la fois, hop, et je laisse poser la dernière question parce qu'on a complètement explosé. Oui, parce qu'en plus, je suis invitée, je n'ai pas spécialement, je pense, à poser des questions. Mais alors rapidement, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est quand vous avez parlé de réduire, de réduire un petit peu le champ pénal qui est maintenant beaucoup trop large, puisque dès qu'on bouge le petit doigt, on peut très vite se retrouver devant des tribunaux correctionnels, donc tout le monde. Effectivement, l'idée est intéressante parce que si seulement les infractions les plus importantes peuvent faire partie du champ pénal, ça met un petit peu plus aussi au banc de la société à trop pénaliser finalement. Mais tout ça, ça a moins d'importance. Et le côté, pas répressif, l'autre côté dissuasif, voilà, de la peine, le côté éducatif, je trouve, si on pénalise trop, effectivement, disparaît. Alors, donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que, par exemple, pour ce qui est des délits routiers où il n'y aurait pas évidemment d'infractions, de dommages corporels. Est-ce que ce qui fait partie des délits routiers, comme les excès de grande vitesse et d'autres infractions éventuellement, les sortir du champ pénal, est-ce que pour vous, ça pourrait être une avancée? Et sinon, l'autre question, c'était, je voulais que vous me rassuriez aussi sur les AFD. Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu parler, j'avais un petit doute. Elles figureront bien quand même, enfin, toutes les infractions relevées donc, et qui pourront faire l'objet des AFD figureront bien quand même au fichier des antécédents judiciaires. Ce que vous avez dit tout à l'heure, l'embêtant, c'est qu'on n'a pas de traces du tout. C'est au casier, donc forcément, on fait chier des antécédents judiciaires. Donc sur cette question... C'est juste que je pense que ce qui était indiqué, c'est que quand il y a un enregistrement otage, on va prendre les empreintes ou la photo, etc. Et que dans l'AFD, il n'y a pas de prise d'empreinte, il n'y a pas de photo. Il y a juste l'AFD, le papier, quelqu'un a fait ça, qui a inscrit au B2. Quoi. Oui, mais qui est moins renseigné que... Un petit peu moins renseigné, voilà. Bon. Oui, bien sûr. D'accord. Alors ça, c'est intéressant. Et donc, sur ma première question, sur les délits routiers, évidemment, qui ne donnent pas, qui n'ont pas donné lieu à dommages corporels, évidemment. Merci, madame. La question de la dépénalisation, de la réduction des textes répressifs, ça fait 20 ans que je suis magistrat. Et même quand j'étais étudiant, c'était toujours sur la table. Chaque année, il y a des textes en plus. Chaque gouvernement successif, quel qu'il soit, chaque député, quel qu'il soit, rajoute son texte et sa dose répressive. Donc, vous dire aujourd'hui,
qu'il faut nous demander à nous, conférence des procureurs, de vous donner la liste des infractions susceptibles d'être dépénalisées. On pourrait vous en citer plein. La sécurité routière est un sujet sensible, c'est compliqué. Il y en a certaines, de fait, qui sont déjà en quelque sorte hors du processus normal, puisque les AFD, c'est aussi pour la route. Les stupéfiants, les stupéfiants, j'en ai parlé, mais la route pour les défauts de permis de conduire et les défauts d'assurance principalement. C'est massif, hein, avec d'ailleurs des peines qui sont extrêmement élevées. Je regardais sur mon ressort, il y a moins de 10% en réalité des personnes qui payent leur amende au final pour un défaut d'assurance. Vous savez pourquoi ? Combien ça coûte une amende forfaitaire délictuelle pour un défaut d'assurance ? C'est 750 quand on fait le suivi. Et après, ça passe à 1000, à 1500 si on est en majoré. Et pourquoi ils ne payent pas leur assurance ? Ils n'ont pas d'argent. Donc la plupart, hein, c'est ça. Donc forcément, ils ne payent pas. Ça ne veut pas dire qu'on faisait rien. Nous, on faisait déjà des amendes qui pouvaient monter jusqu'à 750. On était déjà bien là. Sauf que ce qui a été décrit par mon collègue, c'était derrière, on a des moyens pour s'assurer du paiement. Et sur les AFD en général, le problème, c'est qu'il faudrait que vous vous penchiez tous collectivement. Nous, on le aussi. La DACG a fait aussi des analyses sur les taux d'échec. Le taux d'échec, il est considérable parce que si la personne ne déclare pas une bonne identité et qu'il n'y a pas les moyens de contrôler, normalement, nous, les instructions qu'on leur donne aux policiers et aux gendarmes, surtout, faites pas d'AFD si vous n'êtes pas sur l'identité. C'est pas de chance, il y en a plein qui arrivent en échec parce que c'est pas l'identité. Surtout, vérifiez l'adresse. C'est pas de chance. L'échec, il est massif aussi sur les défauts d'adresse, etc. etc. Donc, c'est toute la chaîne. Nous, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est quelque part une fausse dépénalisation. J'en sais rien, je ne sais même pas comment l'appeler. Mais en tout cas, si votre question, qui est une vraie question à laquelle nous sommes très attachés, effectivement, c'est de dépénaliser, faites-le, allez-y. Surtout, ne vous gênez pas. Bien, merci à tous les quatre. Merci aux collègues qui ont posé des questions, à la collègue qui a posé des questions et à la co-rapporteure. On va pouvoir maintenant attendre les fêtes de fin d'année avant de reprendre les prochaines auditions le 3 janvier pour ce qui nous concerne. Exactement. Voilà. Et donc, nos auditions continuent avec un rapport rendu mi-janvier, fin janvier, enfin à peu près en même temps que les inspections. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci Marie. Merci à vous. Merci à tous.